Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 11h06 à Moscou et midi 6 GMT et nous sommes à notre première conférence du bureau exécutif 2023-2024. Moi, je suis Sintige Korangi, porte-parole de la FEDESE et modératrice de cette rencontre. Je vous souhaite à tous la bienvenue et encore une fois merci pour votre présence. Et j'espère que cette conférence nous sera utile à chacun d'entre nous ici. Merci à tous, encore une fois. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole au président de la FEDESE, M. Ephraim Kofi, pour vous adresser quelques mots. Président, vous avez la parole. Merci beaucoup, modératrice. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez. Je suis audible, c'est bon? Oui, oui, vous êtes audible. Ok. Excusez-moi, bonsoir à tous. Bonsoir particulièrement à M. Ouamoua. J'aimerais, par ma voix, vous adresser les remerciements de tous mes compatriotes pour le temps et le savoir que vous avez accepté aujourd'hui de nous dispenser. Nous sommes à la première conférence de la Fédération pour cette nouvelle année académique avec un super thème, un thème assez particulier parce que j'avais annoncé entre autres que durant cette année, nous allions beaucoup accentuer nos efforts sur l'obtention des bourses d'études par nos compatriotes. Vous le savez certainement. La première raison qui fait qu'un Ivoirien décide de venir en Europe de l'Est, eh bien, pour la plupart d'entre nous, c'est les études. Alors, moi-même qui étais contractuel et qui, en deuxième année, a obtenu une bourse, cette bourse de la coopération, je vois à quel point ça m'a soulagé, et moi, et les personnes qui m'ont envoyé ici. Donc, peut-être qu'on aurait dû s'y prendre un peu plus tôt, je pense, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Je ne vais pas être long. Je vais demander à tout le monde d'être attentif au conseil que M. Ongwa va nous promulguer aujourd'hui. Et je souhaite à tous de passer une excellente conférence. Ok. Merci à vous. Et merci au président aussi de notre communauté. Voilà, comme je le disais. Moi, c'est Yago Moua et je suis ingénieur data scientist. Voilà, et je travaille aussi ici à Samara. Donc, si aujourd'hui ils m'ont sollicité, c'est parce que je donne assez de conseils et je fais assez de vidéos pour ceux qui veulent venir étudier ici en Russie. Voilà, pour essayer de démystifier un peu les éléments qui s'y trouvent. Donc, d'abord, je vais commencer et puis. À la fin, s'il y a des questions, voilà, vous allez avoir au moins la parole de poser la question que vous voulez. Et voilà. Et moi, je considère que peut-être vous êtes ici à 90% d'Ivoiriens. Voilà. Donc, ou même à 100%. Mais bon, je ne sais pas, je ne vous connais pas trop. Donc, c'est un peu ça. Ok, donc, ce que vous devez savoir que le thème d'aujourd'hui, c'est sur la bourse de Russie. Voilà. Et comment est-ce qu'on fait pour postuler à la bourse de Russie? Voilà, je vais essayer d'aller pas à pas, comme ça, vous allez vous retrouver aussi, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, qui ne savent pas comment ça se passe. Mais dans un premier temps, je voulais vous rappeler une chose. La bourse de Russie est décernée par le gouvernement russe. Voilà, c'est décernée par le gouvernement russe, mais ce que vous devez savoir, c'est que même à l'intérieur de vos universités, il y a des bourses qui s'y trouvent.
Voilà, donc ceux, par exemple comme ça, c'est juste une parenthèse, ceux qui ne vont pas avoir accès à la bourse de Russie, parce que parfois c'est un peu compliqué, ils mettent un peu l'accent sur ceux qui sont là-bas au pays. Voilà, donc si vous n'arrivez pas vraiment à décrocher cette bourse-là de Russie qui se trouve là-bas au pays, alors même ici, vous pouvez l'avoir dans vos universités. Ce que le conseil que moi je vous donne, c'est d'aller à l'immigration de votre université. Il y a toujours l'immigration de votre université et là-bas, vous allez vous renseigner sur les bourses internes qui s'y trouvent. Vous comprenez? Voilà, donc le truc c'est quoi? C'est que les bourses internes sont discernées sur plusieurs formes. Il y a des universités ici en Russie qui, par des concours, envoient ça ou bien donnent ça aux étudiants étrangers. C'est-à-dire, lorsque vous faites l'année de langue, ou même si vous ne faites pas l'année de langue, ceux qui font l'année de langue, je vais mettre l'accent dessus, si vous faites l'année de langue actuellement et que vous venez juste de commencer, vous devez savoir que l'année prochaine, en 2024, c'est-à-dire en mars ou avril, il y a des universités qui vont lancer directement des concours internes. Voilà, pour faire des sélections des étudiants étrangers qui vont utiliser ces bourses-là pour continuer l'année prochaine en master ou bien en licence, c'est-à-dire en septembre. Voilà. Maintenant, si vous n'êtes pas en année de langue et que vous avez déjà commencé la première année, la deuxième année, ça aussi, vous aussi, vous êtes concerné. Voilà. Donc, vous allez à l'immigration et vous leur demandez la date. Ils vont vous dire comment ça se passe pour que vous puissiez au moins y postuler. Donc, vous allez postuler. Il n'y a pas de ceux qui sont ici en Russie. Donc vous allez postuler et à la bourse de Russie qui se trouve au pays, et vous allez postuler aussi à la bourse interne de vos institutions, c'est-à-dire de vos universités. Voilà, donc comme je l'ai dit, on va essayer d'aller pas à pas, c'était juste une parenthèse. Voilà, donc ici ce qu'on va faire, je vais essayer de partager un peu mon écran, voilà, pour vous montrer un peu comment ça se passe et puis on va avancer. Voilà, donc n'oubliez pas, c'est très important. Essayez de voir cet aspect-là, comme ça, vous allez vous retrouver avec deux bourses. Vous allez vous retrouver avec deux bourses. Je ne dis pas que vous allez continuer avec deux bourses, mais vous allez vous retrouver avec deux bourses à appliquer ou bien à postuler. Voilà, donc c'est ça. Ok, donc je vais partager un peu mon écran. Donc, si vous voyez... faites-moi signe que vous voyez, comme ça. Oui, c'est visible. Ok, donc voilà. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que je n'ai pas ouvert, comment on appelle ça, la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà. Ici, on m'appelle Monsieur le Russe 225. Voilà, donc c'est un peu mon visage qui se trouve là. Donc, je suis aussi de nationalité ivoirienne. Donc ceux qui veulent vraiment me suivre ici, vous pouvez déjà vous abonner et puis aussi... Voilà, donc il y a plusieurs vidéos comme vous le voyez là. Ça, c'est mon visage qui se trouve là. Ok, donc je vais essayer d'avancer un peu. Je vais utiliser directement le lien de la bourse de la Russie. Comme ça, on va aller directement sur le site pour aller postuler. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, essayez de prendre note. Et en même temps que j'avance, vous écrivez juste à côté. Comme ça, vous allez voir un peu quelles sont les questions que vous pouvez me poser. Et à la fin, vous allez me les poser. Ok, donc ici, vous devez vous rappeler que le lien de la bourse de Russie, c'est www.educationinrussia. Donc, si vous voyez des éléments, vous pouvez me faire signer aussi. educationinrussia.com. Donc... Ok, donc je crois que ça va, je vais essayer d'y aller. Et si c'est pas le cas, voilà, on va essayer de faire comme on peut. Donc déjà, lorsqu'on vient sur la plateforme, ce que moi je vais vous expliquer encore, comment ça se passe en ce qui concerne les distributions de bourses et puis les participations à la bourse. Ce que vous devez savoir, c'est que la plateforme qui est là, cette plateforme-là, c'est pour l'État russe. Et lorsque vous postulez ici, par exemple, lorsque vous vous enregistrez ici, voilà, vous allez recevoir un message de l'État russe qui va vous dire que, ou bien du ministère russe, qui va vous dire que vos documents ont été envoyés à l'ambassade. Vous voyez, à l'ambassade de votre pays. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque, par exemple, vous postulez,
ce n'est pas le gouvernement russe qui vous sélectionne directement. Eux, ils ne savent rien de vous, eux, ils ne vous connaissent pas, eux, ils ne savent pas vraiment comment ça fonctionne en réalité, vos diplômes et tout ça, donc eux, ils s'en foutent. Voilà, je vais dire ça comme ça. Donc, ceux vraiment qui doivent vérifier vos documents, qui doivent vraiment connaître vos documents, ce sont les Ivoiriens eux-mêmes, donc c'est l'État ivoirien. Alors, vos documents vont repartir là-bas et la commission qui se charge des étudiants qui vont venir étudier ici seront là-bas à l'ambassade. Voilà, sera à l'ambassade plutôt. Voilà, et cette commission-là va essayer de checker et vérifier ceux qui sont dans les normes. Ceux qui sont dans les normes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, ils mettent, ça je vous parle en pure expérience et je vous parle en pure, je vais dire quoi, par rapport au message que je reçois en fonction de l'ambassade de Russie dans notre pays ou bien dans des pays, dans plusieurs pays. Voilà. Cette année, c'est vrai que on a causé moins, mais il y a plusieurs pays avec les ambassades que j'ai essayé d'échanger. Donc, j'ai reçu assez d'informations parce qu'il y a eu assez de changements. Voilà. Donc, sincèrement, je ne vais pas me focaliser sur plusieurs pays ici. Comme c'est notre communauté, voilà, je vais me focaliser sur les Ivoiriens. Alors, si vous êtes étranger et que vous êtes là, je ne dirais pas étranger, mais si vous êtes d'une autre communauté et que vous êtes là, essayez de vous adapter à ce que je vais vous dire. Voilà, donc j'espère que ça va aller parce que les pays, en ce qui concerne les applications, vraiment, actuellement, ça diffère. Avant, on faisait un premier tour, après sélection, on fait un second tour et on nous sélectionne, on vient. Mais maintenant, ce n'est plus comme ça dans des pays. Il y a des pays qui font deux tours. Il y a des pays qui font en un seul tour, c'est-à-dire vous remplissez tous les documents, c'est-à-dire et le premier tour et le second tour, ils combinent tout, voilà, et ils vous disent, voilà, vous allez attendre et vous allez recevoir vos messages. Mais chez nous, c'est pas comme ça, il y a le premier tour, et après le premier tour, vous allez faire aussi le second tour. Voilà, donc ce que je disais, c'est d'abord l'État ivoirien qui va d'abord sélectionner les étudiants qui sont admissibles. Quand il dit admissible, c'est quoi? C'est qu'ils mettent un peu le paquet, ils donnent un peu le privilège aux nouveaux, c'est-à-dire ceux qui ont fraîchement obtenu leur diplôme de licence ou bien de baccalauréat. Voilà, donc si vous avez, par exemple, comme ça, un diplôme de baccalauréat qui a fait 2 ans, 3 ans, vous voyez, avant de postuler à cette bourse-là, je ne dirais pas que vous n'allez pas avoir cette bourse, voilà, mais je dis que la probabilité de l'avoir vraiment. Il faudrait vraiment qu'on élimine tous ceux qui sont devant vous, voilà, c'est-à-dire les nouveaux, pour que vous ayez au moins accès. C'est pourquoi vous voyez des personnes qui ont vraiment de grosses moyennes et tout ça, mais avec un bac qui a fait 2 ans minimum, vous voyez ces personnes-là se retrouvent écartées et ils récupèrent des élèves qui ont peut-être 210 points et qui sont fraîchement obtenu leur diplôme. On les récupère et on laisse ceux qui ont eu des mentions, mais avec 2 ans de bac, vous voyez, et qui ont fait un BTS. Donc, c'est assez important. N'oubliez pas aussi, pour ce qu'on va faire tout à l'heure, en ce qui concerne les documents que vous allez avoir, si vous pensez que vous avez un bac qui a fait 2 ans, voilà, et qu'on vous dit seulement que de mettre le bac ou bien de mettre la licence, n'oubliez pas, si vous avez fait un BTS, vous allez ajouter aussi le BTS. Et c'est le BTS qui montre vraiment. Qui donne un peu d'éclaircissement, qui donne un peu, qui rajeunit, voilà, votre bac. Donc vous mettez le BTS, si vous venez d'avoir le BTS, vous mettez le BTS pour leur dire que, voilà, votre bac est aussi jeune. C'est comme ça. Donc c'est en ce moment-là que vous allez pouvoir concurrencer ceux qui ont nouvellement obtenu leur diplôme. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc c'est ce que moi je voulais vous dire avant qu'on ne commence. Donc le gouvernement va faire une sélection. Et lorsque le gouvernement fait une sélection, si on a besoin de quota, si notre quota, par exemple, comme ça au pays, ça fait 300, on a besoin de 300 étudiants ou bien 200, vous voyez, c'est vrai que c'est beaucoup, mais c'est en fonction de l'état diplomatique entre nos deux pays, c'est-à-dire la Russie et les pays de l'Afrique. Voilà, c'est en fonction de leur relation diplomatique que les Russes discernent ou bien donnent des quotas à ces pays-là. Voilà, donc. Ici, par exemple, ils vont faire, si par exemple ils ont besoin de 150 personnes ou bien 200 personnes, notre gouvernement va vérifier les documents et choisir au moins 300 personnes ou bien 400 personnes.
Et ces 300 personnes ou bien 400 personnes, vous voyez que c'est largement supérieur à ce qu'ils ont demandé, mais c'est pour éviter de perdre des étudiants ou bien des places pour ceux qui vont déserter, parce qu'après, il y a d'autres. Bon, moi, j'ai des personnes à postuler, moi, je suis des documents, je suis, mais à la fin, il y a des personnes qui peuvent postuler à deux ou bien à trois bourses, et lorsqu'ils récupèrent Campus France, ils y vont, ils laissent tomber l'application du RICI. Donc, c'est pour éviter tout ça. L'État sélectionne plus de d'étudiants et avance au moins les 150 premiers et les 150 autres qui vont rester seront sur liste d'attente. Donc, si vous êtes sur liste d'attente, lorsque vous allez finir de postuler, ne soyez pas attristé parce que à tout moment, vous pouvez être, dans les normes, vous pouvez être sélectionné. Voilà, donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Si vous voulez postuler, vous n'avez vraiment rien à perdre. Donc, lorsqu'ils vont finir de prendre ces 300 personnes, ils vont maintenant renvoyer aux universités russes. Et ce sont ces universités russes-là qui vont faire, ils vont essayer de faire ces choix-là pour que les étudiants puissent venir postuler. Voilà, donc les gars, c'était un peu ça. Donc, on va déjà commencer. Alors, essayez d'être un peu plus attentif et puis essayez aussi de noter. Si vous avez des questions, vous allez les poser à la fin. Ok, donc. Excusez, monsieur Agua, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez essayer d'aller un peu plus lentement pour permettre à tout le monde de vous suivre, s'il vous plaît? Je parle plus. Ok. Parce que vous parlez assez rapidement. Ok, pas de problème. Donc, je considère que ce qu'on a dit, vous êtes ivoirien, donc je considère que ce qu'on a dit, vous avez compris. On avance. Ok. Donc, ici, par exemple, je vais mettre en anglais ou bien en français pour que s'il y a des nouveaux qui sont du pays qui sont là, ces personnes-là puissent aussi comprendre ce qui se passe pour ne pas tout faire en russe. Ok, bon, je crois que ça c'est en anglais. Alors, allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, salut à vous. S'il vous plaît, français là encore plus mieux quoi. Français là mieux, passons anglais, c'est pas non, c'est ce que je disais. Ok, pas de problème. Mm-hmm. Donc, on va essayer de prendre. On va essayer de choisir en français, comme ça. Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez fermer votre micro. Oui, c'est à moi. Non, pas bien. Ok, donc. Celui qui a parlé là, s'il vous plaît, fermez votre micro. Ok, je ferme maintenant. Mm-hmm. Ok, donc actuellement, nous sommes là, tout est en français. Donc, les nouveaux qui viennent d'arriver aussi. Voilà, tout est en français. Alors, on va déjà commencer. Vous voyez là, si vous avez déjà commencé, voilà, vous venez vous cliquer là, entrer. Si vous avez déjà, vous vous êtes déjà enregistré, tout ça, vous venez vous cliquer sur entrer et vous mettez les coordonnées. Donc, moi, je vais considérer que je n'ai pas encore commencé et que je n'ai rien fait. Donc, si je n'ai rien fait directement, je ne vais pas utiliser cette partie-là. Je vais juste venir là. Je vais juste venir là et faire mon inscription ici. Voilà, donc je clique sur inscription là. Et là, ça me renvoie sur les éléments qui sont là. Ok, donc ici, vous voyez, il y a nom de famille et ici, il y a nom. Donc, vous prenez l'élément qui est caractéristique, c'est-à-dire le nom de famille, et ici, il devient le prénom. Vous voyez? Donc, moi, je vais considérer que je me nomme Yao Gervais. Voilà, ça n'engage que moi. Moi, je me nomme Yao Gervais ici. Donc, ici, je mets Yao. Et le prénom ici, je mets Gervais. Ok, donc pays de candidature, vous devez bien écouter. Pays de candidature, même si vous êtes ici en Russie, voilà, ne mettez pas russe parce que après, ne mettez pas Russie parce que après, lorsque vous allez commencer à faire un peu de vent, ça va vraiment vous créer des soucis. Voilà, parce qu'il y a des choses qu'on va demander pour ceux qui sont ici en Russie. Bon, si vous êtes, il y a tellement de choses, j'ai envie de vous expliquer assez de choses. Voilà, pour ceux qui sont ici aussi en Russie. Ceux qui sont en Rouden ou bien qui sont à l'Université Polytechnique de Saint-Pétersbourg, lorsque vous allez commencer à postuler à la bourse interne, voilà, de là-bas, vous allez voir qu'il y a assez de choses à pouvoir remplir. Donc, c'est ce que je vous disais, essayez de vous familiariser avec l'administration qui se trouve dans votre université, comme ça, vous allez avoir. Excusez-moi si je parle un peu plus rapidement. Voilà, ok. Vous allez à l'immigration de votre université et de là-bas, vous allez recevoir les directives et vous allez comprendre un peu comment ça se passe en réalité
parce qu'il y a assez de documents à fournir et puis il y a assez de choses aussi à faire. Voilà. Et surtout que tout sera en russe. Ok. Donc ici, je choisis le pays. Si moi, je dois choisir le pays, je dois choisir Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je prends Côte d'Ivoire ici. Et mon adresse mail, je vais prendre l'adresse mail que j'ai ici. Donc, restant. Je vais prendre cette adresse email là, comme ça. Ok, donc je vais essayer de copier. Ok, donc vérifions. Où est ça? Ok, 1978, Gmail, ok. Donc ici, et le mot de passe, je vais choisir mon mot de passe ici. Je commence par une lettre majuscule. Ok, et ici aussi, je répète le mot de passe. Alors ici, il y a un code que nous devons retrouver. Je crois que si vous voyez bien, vous me faites signe aussi. C'est 260-474. Là, j'accepte. Et là aussi, j'accepte. Alors, lorsque vous allez faire l'inscription dans les normes, s'il n'y a pas de problème, lorsqu'on va faire l'inscription, on va recevoir un message. Voilà. Et ce message-là, on va l'utiliser pour pouvoir... pour pouvoir aller pour la suite, parce que si vous ne l'activez pas, ils vont pas reconnaître comme ça votre email, et quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas vraiment postuler normalement. Donc nous, on va directement sur notre mail. On nous dit actuellement ici, bon, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ici c'est écrit que nous avons reçu un lien et que nous devons activer notre email. Donc moi, je vais directement sur mon lien pour activer mon email. Ok, donc là, on vient de me dire que j'ai reçu un mail. Donc, lorsque vous allez recevoir ce rectangle bleu, vous allez cliquer sur ce rectangle là. Ça va confirmer directement votre mail, et en même temps vous allez cliquer là. Je vais mettre en français si vous allez bien voir. Donc là, vous allez voir que le mail est confirmé ici. Voilà, votre compte a été confirmé, a été vérifié. Donc ici, allez sur la page d'accueil pour pouvoir continuer. Alors donc je vais sur la page d'accueil, et à partir de là, j'ai fini de m'enregistrer. Donc je vais maintenant faire entrer, et quand je fais entrer, il me renvoie directement ici. Vous voyez, j'avais déjà enregistré sur mon Google Mail, donc c'est pourquoi c'est automatique. Voilà, donc à partir de cet instant là, vous allez maintenant faire entrer et aller chercher à faire quoi, à postuler. Voilà, donc ça, c'est la première étape. Et n'oubliez pas, comme je l'ai dit, si vous avez des questions, vous les notez quelque part, et lorsque on va terminer, vous allez les poser sans problème. Ok, donc ici, on se retrouve sur la plateforme, et on va essayer de mettre à côté. Vous devez mettre à côté votre passeport. Voilà, vous mettez aussi votre diplôme. Comme je l'ai dit, je viens juste de vous dire que si vous êtes nouveau bachelier, voilà, vous prenez le diplôme de baccalauréat. Et si vous avez l'attestation, chez nous en Côte d'Ivoire, c'est pas un problème. Notre diplôme est en même temps avec notre relevé de notes, donc c'est direct. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leur diplôme, je le répète encore, ça c'est très important. Pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leur diplôme, si vous n'avez pas encore récupéré votre diplôme, alors on va utiliser l'attestation que vous avez reçue actuellement pour pouvoir postuler. Mais lorsque vous allez arriver ici, il faudrait que vous veniez avec votre diplôme que vous devez récupérer à la déco ou bien à la draine. Voilà, à la déco, pour ne pas créer des situations un peu bizarres ici. Voilà, parce que je connais, on a vraiment l'expérience ici, et je sais
à quel moment il faut vraiment les récupérer, parce que vous ne pouvez pas faire une licence ou bien un master sans votre diplôme, l'original. L'attestation que nous avons vous laisse à faire le cours de langue, mais ne peut pas vous laisser faire de licence ou bien de master. Donc essayez de les récupérer avant d'arriver. Maintenant, si vous venez faire le master, vous mettez votre diplôme et le relevé de notes, c'est-à-dire diplôme de licence et le relevé de la licence 1 jusqu'à la licence 3. Ok, donc ici, comme vous voyez là, il y a ça, on a déjà fini. Donc nous sommes sur l'année 2023-2024. Voilà, donc ici, par exemple, comme ça, si je mets ici, je vais mettre en français. Je vais mettre en français, comme ça, on va tous se retrouver. Voilà. Donc, si on dit de créer une nouvelle application, dans les normes, ce que j'ai déjà fait l'année passée, vous allez voir que ici, il y aura votre application de l'année passée qui va se situer sur 2023. Mais nous sommes sur 2023-2024. Donc, si vous créez une nouvelle application, voilà, où vous allez pouvoir aussi remplir les éléments, il y aura comme ça quatre parties à remplir. Vous voyez la partie qui est là, remplir le questionnaire. Après ça, il y a remplir une demande, joindre les documents. Et après, on soumet. Voilà, donc, et n'oubliez pas aussi, c'est très important, lorsque vous finissez de soumettre, voilà, s'il y a des choses à rectifier, ils vont vous renvoyer et vous allez rectifier avant qu'ils ne renvoient à votre ambassade. Ok, donc ici, on va remplir clairement. Et ici, d'abord, on met une photo. Moi, je considère et je vous dis de mettre une photo avec fond blanc. Ça va vraiment vous arranger. Et n'oubliez pas, je vais essayer de mettre la photo. Mais les éléments que vous allez voir sur mon PC, ça ne concerne que moi. Voilà, donc évitez-moi les commentaires. Donc je vais mettre la photo rapidement. Ok, ici par exemple comme ça, j'avais pris une photo ici. Je vais mettre une photo là. Un instant. Je vais choisir une photo rapidement. Ok, donc je mets cette photo là. Vous voyez, c'est une photo avec fond blanc, voilà, et c'est bien clair. Voilà, donc essayez de postuler normalement, comme ça vous êtes certain que vous avez mieux postulé pour ne pas qu'il y ait des problèmes de d'application. Donc ici, je vais remettre encore mon Yahoo Gervais. Donc ici, c'est le nom et le prénom juste en dessous. Voilà, donc ici le nom, je mets Yahoo toujours, et ici je mets Gervais. Je répète encore et je le répète très bien encore. Les éléments qui sont là, les noms en cyrillique, en transcription russe, vous devez vraiment les mettre. N'oubliez pas, vous devez les mettre. Mettez-les. C'est pas pure expérience que je vous dis cela. Mettez-les. Donc, pour pouvoir les mettre, étant donné que nous, on ne connaît pas les noms en réalité ici, en Russie, comment ça se passe et comment ça s'écrit, parce que parfois, on pense qu'on a bien écrit alors que ce n'est pas le cas. Voilà. Ils ont leur manière de prononcer, ils ont leur manière de voir. Donc, pour cela, même si ce que Google va vous donner n'est pas clair, net, néanmoins, vous prenez Google Translation. Donc ici, voilà, ici, on va prendre Google Translate ici. Et je vais écrire mon Yahoo Gervais là. Donc, je mets mon Yahoo ici. Et directement, je vais utiliser la transcription russe. Je vais utiliser la transcription russe ici. Ok, donc ici je vais mettre en français. Ok, donc ici c'est mon Yahoo qui est là. Alors moi je copie le Yahoo. Je copie le Yahoo. N'oubliez pas, c'est hyper important. Traduisez, je vous dis de traduire, traduisez. Vous n'avez vraiment rien à perdre. Au contraire, pour ne pas qu'il vous renvoie vos documents à chaque instant. Est-ce que vous voyez que, est-ce qu'on pouvait savoir que Gervais va s'écrire avec ça? Moi, en tête, c'est pas comme ça que j'allais écrire Gervais, vous voyez. Voilà, donc, essayez de prendre les éléments comme je vous l'ai dit, pour ne pas vraiment vous retrouver en train de corriger des éléments. Donc ici, le patronyme, vous laissez. Et le lieu de naissance, je considère que je suis Kwasi Gervais, donc Gervais Yahoo. Donc je vais prendre le lieu de naissance à Grand Bassam.
C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Grand-bassamment. Et je considère que je viens faire la licence. Voilà. Donc, si je considère que je viens faire la licence, je vais considérer que je suis né peut-être en 2000, en 2004. Voilà. 2004 ou 2005. Je vais prendre 2005. Ok, 2005, je crois que ça va faire 18 ans. Donc, je vais prendre 2004, 19 ans, c'est bon. Je dis cela, je dis 19 ans parce que ceux qui ont 17 ans vont devoir, comme ça, envoyer un certificat parental. Voilà. Vous allez compléter un certificat parental lorsque vous allez aller déposer vos documents à l'ambassade. Donc, ici, moi, je considère que je suis né en 2000 ans. Ok, le 13 octobre 2004, et ici là je suis un homme, c'est normal. Ici je suis célibataire, ouais. Et ici vous voyez statut compatriote, statut spécial réfugié, statut vous n'êtes pas aussi apatride. Voilà, apatride ça veut dire que vous n'êtes pas accepté et russe, vous n'êtes pas aussi ivoirien. Donc nous, on n'a pas tout ça, donc nous sommes ivoiriens et on choisit alors Côte d'Ivoire. Je suis en dessous là. Ok. Et si vous avez aussi une partie au Ghana, vous pouvez ajouter la citoyenneté. Si vous avez, vous êtes ivoirien et ou bien ghanéen, on sait jamais, on est à côté. Donc ici, information sur le visa, c'est pas parce que je le répète encore et je vais le redire, c'est parce que vous êtes en Russie que vous allez mettre que vous n'avez pas besoin de visa pour être ici en Russie. Voilà, parce qu'il y a vu des personnes ici prendre aucun visa n'est requis. Non, vous avez toujours besoin d'un visa pour être ici en Russie. Donc vous mettez visa requis. Ici, le visa, on va l'obtenir où? Vous n'écrivez pas que vous allez l'obtenir ici en Russie. Faites normalement comme il se doit. Lorsque vous allez mettre vos documents et que vous allez saisir, voilà, ils vont savoir automatiquement que vous êtes ici. Et les autorités qui sont là-bas vont savoir. Et ceux qui sont aussi ici en Russie aussi vont savoir. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici, par exemple, comme ça, je mets... que je vais obtenir mon visa en Côte d'Ivoire. Ici, ça ne gêne pas, ça ne gêne pas du tout. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Ok. Et le numéro de passeport, moi, je vais prendre comme ça en 2022. Ok. Donc, la date d'émission, notre visa a 5 ans. Et pour pouvoir postuler à cette bourse-là, votre passeport doit avoir une durée de vie actuellement minimum 18 mois. Actuellement, 18 mois. Alors, si votre passeport n'atteint pas les 18 mois, vous devez déjà commencer à renouveler. Et je vais répéter une chose. Si votre passeport n'a pas 18 mois, dans un premier temps, et que vous avez seulement qu'une carte d'identité, parce que si vous mettez votre passeport actuellement, ils vont vous dire que lorsque vous allez soumettre, ils vont vous dire que votre passeport n'a pas 18 mois. Voilà. Et ce que moi je suggère, vous mettez votre carte d'identité. Lorsque vous allez mettre votre carte d'identité, ils vont vous dire à la fin, si vous êtes sélectionné, ils vont vous dire vous êtes sélectionné, mais on aura besoin de votre passeport pour le second tour. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez qu'en Côte d'Ivoire, le passeport, ça prend pas assez de temps. Donc, à partir de cet instant-là où vous voyez la vidéo, ça nous reste, il nous reste encore, je vais dire, un peu de temps. Alors, vous allez déjà déposer votre passeport. Vous mettez ici votre carte d'identité, mais vous allez déposer votre passeport. Comme je l'ai dit, c'est d'abord nos autorités qui vont vérifier les documents. S'ils vérifient et que vous avez un passeport ivoirien, c'est pas ça qui va vous disqualifier, mais ce sont les documents que vous allez mettre qui vont vous disqualifier. Soit vous êtes qualifié ou pas. Maintenant, si vous êtes qualifié, ils vont dire au second tour d'envoyer le passeport. Et vous allez envoyer le passeport. Alors, si vous avez une carte d'identité, vous pouvez postuler avec ça. Et la carte d'identité, les éléments qui sont juste là, les éléments qui sont là aussi sont sous la carte d'identité. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter pour cela. Si vous ne m'entendez pas, si je parle toujours rapidement, vous devez savoir que c'est comme ça que je parle, mais...
je peux aussi ralentir. Donc, si ça va vite, vous me dites, je vais ralentir. C'est pas un problème. Ok, donc la date d'émission du passeport, je vais considérer que je l'ai obtenu en 2022, parce que ici j'ai mis 22 ici, donc 2022. Alors, je l'ai obtenu quand? Je l'ai obtenu en 2022, le 5 octobre 2022. Ok, et comme nos passeports c'est 5 ans, ça va expirer en 2027. Ça va expirer en 2027. Et aussi, cette fois-ci, le 14 2027. Ok. Donc, une fois que je finis de faire ça, voilà, ici, comme il se doit, le pays, c'est-à-dire à domicile, le pays, c'est Côte d'Ivoire. Ici, ceux qui sont ici, si vous avez des soucis, faites-moi un signe. Voilà, pour ne pas vraiment que ces remplissages vous fatiguent. Vous fatigue. Donc ici, je vais mettre Côte d'Ivoire et le code postal, je prends 1863 Abidjan. Le code postal, vous avez vu le code postal qu'on avait déjà au pays où on disait 1863 BP 1863 Abidjan 12. Voilà, ici, c'est le 1863 que j'ai mis ici. Voilà, donc si chez vous, c'est 456 ou bien combien vous mettez. Donc ici, province, état ou région. Voilà, ici, vous pouvez mettre par exemple comme ça, région de Lagune, ici. Région de Lagune, si vous êtes, vous êtes habitant ou bien l'indigné ou voilà, ou bien vous mettez état, vous mettez, vous pouvez mettre Côte d'Ivoire aussi ici. Ce n'est pas un problème, ça ne gêne en aucun cas ici. Voilà, donc ici, la région, moi je mets toujours Lagune ici. Ok, et la ville, c'est quoi? Ville ou localité? Abidjan, où je vis actuellement. Ok, la rue, maison, immeuble, tout ça. Voilà, vous savez déjà que chez nous, c'est maintenant que nous sommes en train de, ils sont en train de numéroter tout ça. Donc ici, vous pouvez mettre comme ça, 01 ici. Voilà, vous pouvez mettre ici. Ok, l'immeuble et l'appartement et tout ça, vous n'êtes pas vraiment obligé de mettre. Donc, mettez là votre rue. Si vous êtes peut-être à Cocody, vous pouvez mettre Cocody. Voilà, et puis si c'est Cocody, deuxième tranche, vous mettez Cocody, deuxième tranche, ou bien troisième tranche et tout ça. Donc, vous mettez ça là. Ok, donc ici, l'information sur, et n'oubliez pas aussi ce que je voulais vous dire. Ici, il y a, par exemple, vous voyez là, j'ai mis une virgule là, ils peuvent ne pas accepter la virgule et tout ça. Donc, lorsque vous allez commencer à mettre, ne vous inquiétez pas. S'ils refusent, vous venez là, vous changez, c'est tout. Donc, ici, niveau d'éducation, donc je considère que je viens faire la licence, donc j'ai le bac. Voilà, donc si j'ai le bac, alors regardez très bien là, le bac il est toujours là. Vous voyez, il est toujours là. Donc, vous voyez que quand ils traduisent tout, ils ne traduisent pas ceux qui sont là. Donc, ça c'est bac secondaire. Vous voyez, donc là. Si, regardez, quand je vais choisir, ça peut changer à tout moment. Je vais essayer de mettre en français encore. Ici, ça va changer. Vous voyez là, enseignement secondaire général. Donc, c'est ça. C'est ce qui est là. Ça ne change pas. Lorsque vous regardez sur la liste, ça ne change jamais. Mais lorsque vous mettez là, ça va changer. Donc, prenez le bon élément pour ne pas vous tromper. Donc, je considère que nom de l'établissement où j'ai fait mon cours, moi, j'ai fait au lycée municipal de Kumasi. Donc, je mets comme ça et éviter aussi, comme je l'ai dit, éviter les accents. Lycée, vous n'êtes pas obligé de mettre accent dessus. Lycée municipal de Kumasi. Voilà. Lycée, vous n'êtes pas obligé de mettre les accents. Et ici, je vais choisir Côte d'Ivoire, c'est un Côte d'Ivoire. Ok, la ville, c'est toujours Abidjan. Ok, la rue, je vais prendre la rue, c'est rue Pharmacie Fanny ou bien rue 05. Donc ici, je mets
Virus 05. Ok, donc, et en quelle année j'ai fini mes études? Je considère que je l'ai obtenu l'année passée, ou bien même je l'ai obtenu cette année pour ne pas vraiment créer assez de soucis. Donc, je mets 2023. Ok. Et ici, email du candidat, c'est déjà ok. Et le numéro du candidat. Donc, 125. Ok, s'il y a un souci, ils vont vous dire. Donc, ne vous inquiétez pas pour cela. Ici, la relation. Ici, le contact d'une personne qui vont appeler en cas d'urgence. Donc, moi, je considère que je mets mon père. Donc, je mets ici mon père. Ok, son nom. Forcément, si je suis Yao, il se nomme aussi Yao. Et son prénom, Yao Gustave. Oui, Gustave, ça existe, c'est bon. Ok, donc, je continue. Son numéro de téléphone. Vous voyez, les éléments qui sont là en astérisque rouge, ça veut dire que vous devez forcément les remplir. Sans cela, vous ne pouvez pas avancer. Donc, ici, le numéro de téléphone, je vais prendre le 225. 79, 28, 12, 45. Ok. Adresse du père, je vais mettre moi mon adresse. Voilà, je vais mettre mon adresse. Et n'oubliez pas, si votre adresse email ne passe pas, voilà, vous êtes ici en Russie, donc vous pouvez toujours utiliser les adresses de Yandex ou bien de mail. Tashkoru. Ok, donc je ne suis pas, c'est pas un apatride et citoyenneté, il est ivoirien, donc ok, sa date de naissance le 12. Bon, je vais choisir ici directement. Excusez-moi, s'il vous plaît, monsieur Agua. Oui, monsieur Alex, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez couper votre caméra? Est-ce que je peux activer? Non, ma caméra? Pas. Oui, vous pouvez continuer, monsieur. C'est bon? Oui, oui, continuez, s'il vous plaît. Ok. Ici, je considère qu'il est né. Je vais lui donner peut-être le nom 65. Ok. Le 20 octobre 65. Ok, et si vous avez d'autres personnes que vous voulez mettre, vous pouvez ajouter ici un représentant, mais chez moi, c'est pas la peine. Alors, si vous pensez que vous n'avez pas encore vos documents, vous pouvez sauvegarder comme ça, ici, et sortir de l'application pour aller chercher les documents. Maintenant, si vous pensez que vous avez tous les documents déjà là, comme moi, alors on va aller ici pour avancer. Ça, c'est pas une bonne traduction. Voilà, vous savez déjà que la langue russe, on peut jamais bien traduire. Donc ici... Et une fois qu'on arrive là, on arrive sur la partie de la Russie, c'est-à-dire lorsque vous arrivez là, vous venez, mais vous allez étudier en quelle forme, avec quelle forme, soit en présentiel, donc c'est obligatoirement en présentiel ici, et vous allez choisir quel niveau d'éducation. Je vais vous expliquer un élément ici, voilà. Ici, vous allez étudier avec quel niveau d'éducation, c'est-à-dire moi je vais faire la licence. Donc dans les normes, j'utilise directement licence Bac plus 4. Voilà, n'oubliez pas, vous qui êtes là-bas, pour venir étudier ici, la licence fait 4 ans. Voilà, la licence fait 4 ans, c'est une perte de temps, mais je vous assure que c'est assez mieux. Voilà, vous faites une année de tronc commun et les 3 autres années, vous allez mieux étudier. Voilà, donc si vous voulez venir, venez, ce n'est pas parce que... Les gens ont parlé, les gens vous écoutez seulement sûrement des personnes. Voilà, donc vous avez assez peur. Mais si vous vraiment vous venez pour les études, vous pouvez venir étudier. Parce que c'est vrai que ici, c'est pas vraiment ce qu'on. Si on dit on s'attendait à ça, c'est pas vrai. Voilà. Et lorsque vous allez arriver, vous allez aussi. vous êtes. Excusez-moi. Lorsque vous allez arriver, vous allez avoir aussi assez de poigne, vous allez aussi avoir assez d'ouverture, voilà, lorsque vous allez finir d'étudier ici.
Et il ne faudrait pas qu'on vous dise que l'UNICEF ne reconnaît pas les bourses qui sont là, parce que j'ai déjà aidé des personnes à aller aux États-Unis, j'ai déjà aidé des personnes qui sont ici, aller au Canada et tout ça. Donc là-bas aussi, on reconnaît les éléments qui sont ici. L'UNICEF n'a pas encore donné d'accès sur les termes de bourses russes pour dire que comme il y a des sanctions, alors les bourses russes ne sont pas reconnues. Ça, c'est pas vrai. Donc si vous êtes là-bas, que vous voulez venez étudier, vous allez apprendre assez de choses. Ici, il n'y a pas d'histoire de on a fini, vous attendez les résultats pour 5 ans ou bien 3 ans pour avoir les résultats. Vous finissez de parler avec votre professeur, vous sortez, vous avez vos résultats. Dans 2 semaines, vous prenez votre diplôme, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Vous comprenez? Donc, tout ce que les gars, ce que j'ai dit là-bas, si quelqu'un dit et que la personne ne croit pas, que la personne m'appelle, on va faire une vidéo, on va faire appel vidéo, on va se parler. Voilà, donc, n'oubliez pas, c'est assez important. Ne laissez pas les gens vous raconter des choses qu'ils ne savent pas. Voilà, donc ici, je considère que si par exemple moi je vais faire la médecine, si vous prenez licence plus 4, par exemple si je prends licence plus 4 et que je vais faire la médecine, si je prends licence plus 4, si je viens ici et que je cherche la médecine, je vais mettre peut-être ici médecine. Et il y a une chose aussi que je vais vous montrer parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas. Si je mets médecine, je vais mettre M par exemple. Et ça va vous fatiguer parce que ça c'est en russe, donc il y a des éléments encore qui sont en russe. Si vous venez ici, médecine, vous mettez M là, et que vous cherchez, regardez très bien ici, regardez bien la barre qui se trouve là, la barre en noir qui se trouve là. Vous voyez? Donc, lorsque vous venez, vous cherchez les éléments, arrêtez-vous. Lorsque vous vous arrêtez, regardez juste au-dessus là, ça cherche toujours. Et regardez la barre qui décale d'un point. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez à la dernière filière ici, ne quittez pas la dernière filière, vous cherchez ici, j'arrive là, regardez la barre descend. La barre descend là, arrivez là, vous vous arrêtez, regardez juste en haut là, ça cherche toujours. Et ça fait sortir les éléments qui sont juste en dessous. Vous voyez? Donc, parce qu'il y a des personnes qui arrivent jusqu'en dessous et qui disent que ça ne marche pas. Qui disent que, il n'y a plus de facultés. Pourquoi il y a 3 facultés ou bien 4 facultés? Pourquoi il y a 4 filières ou bien 5 filières? Non, il y a plusieurs filières. Toutes les filières que vous voulez se trouvent ici. Mais seulement que lorsque vous arrivez à la dernière position là, regardez très bien, à la dernière position là, vous attendez, attendez. Il y a d'autres filières qui vont sortir juste en dessous. Regardez en dessous, il y a d'autres filières encore. Vous voyez? Voilà, donc, lorsque vous commencez à faire, essayez de prendre assez de temps pour pouvoir voir les filières que vous voulez. Quand je mets médecine là, je ne vais pas retrouver de filière de médecine. Avec tout ce qui est là, je ne vais pas retrouver de filière de médecine. Ça veut dire que la médecine, en termes de licence, ça n'existe pas ici. Si ça n'existe pas ici, ça veut dire que je ne pourrai pas faire de licence ici, mais la médecine va se présenter comme une spécialité pour moi. Donc ici, je viens faire une spécialisation ici. Vous voyez, c'est un bac plus 5. Donc ça veut dire que quand je vais arriver, je vais faire un bac plus 5. Donc ici, je vais faire 5 ans pour pouvoir avoir la médecine ou autre. Donc ici, par exemple, quand vous venez là maintenant et que vous mettez médecine, vous venez là, vous mettez médecine, vous cherchez, vous voyez que ça ne me met pas les éléments en M parce que c'est en langue russe. Donc moi, je cherche médecine comme ça. Et je cherche médecine, je viens là, j'attends. Ici, ça sort, voilà, j'avance. Ingénierie minière, ici, j'avance. Vous voyez que ce n'est pas classé en ordre alphabétique. Voilà, j'attends un peu que ça sorte. Voilà, je décale, j'avance. Navigation. Ok, médecine biochimie. Vous voyez, médecine biochimie, si c'est ce qui m'intéresse, alors je prends. Voilà, pour que la vidéo passe un peu vite, c'est un peu l'idée que je voulais vous montrer. Donc, je prends ici. Vous voyez que la biochimie médicale, c'est seulement ici. En spécialisation, 5 ans. Ça ne peut pas se retrouver en 4 ans de licence. Donc, si vous pensez que ce que vous cherchez ne se trouve pas là-bas, changez pour prendre ici. Ça ne concerne que les licences. Les licences, vous avez ici et ce qu'il y a là en spécialisation. Et le master, vous voyez, ils ont mis maître. Maître, ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Dans les normes, lorsque vous aussi vous allez commencer à postuler, vous allez voir que licence, ils vont mettre célibataire. Vous voyez? Lorsque vous allez traduire, ils vont mettre célibataire. Voilà, donc vous devez comprendre comment ça se passe. Licence, c'est licence. Si ils ont mis célibataire, vous prenez ça. Et ici, maîtrise, ils ont mis maître. Donc pour ceux qui font que fait le master. Et voici spécialisation. Ok, donc je considère que c'est ce que moi je prends. Et n'oubliez pas aussi les thèmes de médecine, les thèmes qui sont un peu rares. Vous allez voir que les universités ne sont pas assez. Vous pouvez vous retrouver avec ceux qui ont fait l'aviation, par exemple. Aviation, vous pouvez vous retrouver avec 4 universités qui sont éligibles pour cette bourse-là, ou bien 3 universités, ou bien 2 universités. Vous comprenez? Donc,
Si vous pensez que c'est ce que vous voulez faire, vous les choisissez. Donc, une fois que j'ai fini de faire ce qui est là, voilà, ça, moi j'ai un bac et je viens faire l'ingénierie. L'ingénierie, 5 ans, 1, mais sinon, biomédical. Donc, ici, quand je finis, je vais commencer maintenant à choisir mes universités. Et les universités là, comme vous les lisez juste en dessous là, au-dessus, indiquez les universités ici, ici. Indiquez les universités dans l'ordre de vos préférences, où se trouve en premier lieu l'université où vous souhaitez étudier en premier et en sixième. L'université où vous souhaitez étudier en dernier. Cette commande sera prise en compte dans votre distribution. Il est permis de choisir pas plus de 2 universités à Moscou, pas plus de 2 universités à Saint-Pétersbourg et pas plus de 3 universités dans des districts. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à Moscou et Saint-Pétersbourg, vous avez la capacité de choisir qu'une seule université. Vous voyez, et dans les autres endroits, c'est-à-dire ici c'est Samara ou bien Kazan, vous pouvez choisir maximum 2 universités à Kazan ou bien Samara. Mais à Moscou et Saint-Pétersbourg, c'est une seule université que vous devez choisir. Donc vous ne pouvez pas choisir 2 universités à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Voilà, donc ici, moi je considère toujours ceux qui viennent nouvellement, moi c'est mon point de vue, là c'est mon point de vue, voilà. Si vous venez nouvellement, évitez vraiment Moscou et Saint-Pétersbourg. Moi c'est ce que moi je vous dis. Voilà, évitez Moscou et Saint-Pétersbourg. Vous pouvez prendre d'autres endroits. Voilà, mais ce que je vais vous dire, c'est que l'université que vous allez choisir ici, allez-y sur Google pour aller voir un peu les paramètres de l'université pour ne pas vraiment être surpris lorsque vous allez arriver. Voilà, parce que je suis des étudiants, ça fait au moins, j'ai aidé plusieurs personnes à venir ici. Et lorsqu'ils arrivent dans les universités, ils me rappellent encore pour me dire, ah, mais monsieur le Russe, l'université où tu nous as choisi, ce n'est pas assez propice, les dortoirs sont pas bien, et quand c'est comme ça, moi je ne continue pas à écouter vraiment cette personne là voilà, parce que si vous êtes arrivé ici, mine de rien, l'université, les universités sont bien équipées et les frais d'université, quand c'est comme ça, les frais d'université vont coûter assez cher, entre vraiment aller jusqu'à 1 500 000. Donc quand vous allez venir me parler de chambres et tout ça, c'est pas assez clair, c'est pas joli à voir. Donc, si vous arrivez et que vos chambres ne sont pas bien, vous-même arrangez les chambres. Il n'y a pas un étudiant qui est arrivé ici et qui n'a pas fait de réaménagement à sa chambre. Donc, faites ce que vous voulez de vos chambres. Alors ici, moi, je prends ici l'Université fédérale de Oural. Voilà, je vais essayer d'éviter Moscou et tout ça. Maintenant, si vous voulez choisir forcément Moscou, il n'y a pas de problème. Vous pouvez choisir ici Moscou ou bien Saint-Pétersbourg. Donc, moi, je mets par exemple le M pour dire que je veux voir Moscou. Voilà. Et ici, voyons voir, ici il y a ça, il n'y a pas Moscou ici, donc, ok, je vais prendre l'université médicale de Sibérie. Ce type d'université là, vérifiez un peu, il y a des universités qui, ça, je parle de ceux par exemple qui veulent, qui n'ont pas de nouveau bac, par exemple, essayez de prendre un peu des universités qui sont assez éloignés dans des recoins où les étudiants étrangers même ne veulent pas y aller, vous voyez. Et quand vous prenez ça, vous avez au moins une possibilité de chance aussi d'être retenu par ces universités là. Alors je prends ici, c'est parce que si vous visez Moscou et Saint-Pétersbourg, vous allez voir qu'il y a plusieurs universités qui visent les mêmes éléments, les mêmes endroits, et quand le quota est atteint chez eux, ils ne veulent plus prendre des étudiants. Donc je prends ici l'université russe, je vais essayer comme ça, vous voyez. Ça cherche, quand j'arrive là au dernier, ça cherche, et ça me permet aussi d'ouvrir ceux qui sont là. Donc je prends Saratov, c'est une bonne ville. Si vous ne savez pas un peu les villes qui vous sied, ou bien les conditions de vie, ou bien comment est-ce qu'on vit là-bas et tout ça, j'ai essayé de récupérer des vidéos et des commentaires de quelques amis qui se trouvent un peu partout, et j'ai fait des vidéos là sur ma chaîne YouTube. Je l'ai dit encore, ma chaîne YouTube, c'est ce qui est là, c'est Monsieur le Russe 225. Voilà, donc si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, et puis aussi essayez de me suivre pour pouvoir avoir plus de contenu. Alors ici, 4e université, je vais choisir, n'oubliez pas, c'est pour la médecine, donc je vais choisir comme ça, Kadirov, Nesichichen Kadirov, non, Kozas, non, ici Kazan, ok, je prends Kazan. Donc c'est une bonne ville, en tout cas, je ne dirais pas que la vie n'est pas chère là-bas, mais c'est une bonne ville et les universités sont bien équipées. Et il y a une université que je voulais choisir pour vous ici, c'est l'université de Novo-Sibérie. Sincèrement dit, oh merde,
c'est l'université de Nouveau-Sibérie. C'est seulement dit, si vous voulez, aller y étudier en Nouveau-Sibérie. Un instant. Il y a eu un souci. À Nouveau-Sibérie, si vous voulez aller y étudier, je suis allé là-bas pour aller faire un tour. Vraiment, ils sont assez occupés, ils sont assez équipés. Donc, ceux qui sont vraiment intéressés à aller là-bas, ça va vraiment vous arranger. Ok, donc, il y a eu un petit souci. Alors, je vais revenir rapidement dessus. Ok. Donc, je passe la demande. Ok. Et je vais éditer rapidement. Et je vais aller sur ici. Répondre à une demande. Voilà. On était là. On était là. J'avais pas enregistré. Donc, présentiel rapidement. Je fais la spécialité ici. Et je prends ici. Bon, cette fois, on va aller un peu rapidement. Ok. Ok, cette fois, je vais prendre sécurité informatique. C'est pour aller un peu rapidement parce que je vais pas perdre assez de temps. Voilà. Ici, j'avais déjà choisi. Ok, un instant que ça saute. Il y a eu un souci avec l'université de Tumen. Voilà, ça c'est une bonne université. N'oubliez pas, l'université de Tumen, à l'université de Tumen, ceux qui sont déjà à l'université de Tumen, si vous y êtes, allez-y à l'immigration. Vous allez voir qu'il y a une bourse qui est disponible chez eux. Ok, donc je viens là. Il y a l'université aussi polytechnique de Samara où je travaille. Il y a aussi des universités qui sont disponibles. Il y a aussi des bourses qui sont disponibles, qui sont en interne. Donc les Ivoiriens qui sont intéressés, vous pouvez rentrer dans mon inbox. Je vais essayer de vous recommander là-bas. Et voilà, j'ai oublié, je voulais vous dire une chose. Si dans l'université où vous êtes actuellement, l'université qui vous a accueilli actuellement, si vous pensez que l'université vous sied et que l'université représente tous les éléments pour vous, vous pouvez prendre une lettre de recommandation de l'université. Allez-y à l'immigration des étudiants étrangers là. Vous allez voir qu'il peut vous donner des recommandations que vous allez venir insérer ici. Je vais vous montrer où est-ce que vous devez l'insérer. Donc, ici, je vais choisir maintenant. On y va pour notre troisième université. Je vais aller vite, voilà. N'oubliez pas, je l'ai dit, essayez ces universités-là de voir sur Google, de voir les paramètres, les caractéristiques de l'université, voilà, pour pouvoir, pour ne pas être étonné lorsqu'ils vont vous envoyer là-bas. Donc ici, je vous avais dit qu'on devait prendre Nouveau-Sibérie. Et Nouveau-Sibérie, je l'ai dit encore, il y a de bonnes universités là-bas et ils sont assez équipés. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, allez-y y étudier. C'est pas un problème. Voilà, donc je veux essayer comme ça de chercher Nouveau-Sibérie. Comme je l'ai dit, lorsque vous arrivez en dernière position, vous devez attendre. Ok, un instant que ces éléments en sortent pour qu'on puisse remplir un peu rapidement. Ok, donc je vais prendre Tomsk aussi. N'oubliez pas, moi je vous recommande Nouveau-Sibérie et je vous recommande aussi Oural. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez prendre l'université polytechnique de Samara. Ici aussi, il y a, en tout cas pour ceux qui veulent faire du génie, il y a tous les éléments dont vous avez besoin. Ils sont vraiment assez occupés, équipés. Et vous savez que les étudiants russes ne vont pas vraiment n'utilisent pas vraiment les histoires de bibliothèque et tout ça ici. Donc, si vous êtes vraiment intéressé, vous allez vraiment vous mieux étudier ici. Alors, donc, ici, je vais choisir rapidement. Ici, l'Université Pacifique. Ok. Et là, une fois qu'on finit de choisir ces six universités, n'oubliez pas, c'est pas pure préférence. Si vous avez vérifié l'université de Tumen et que ça respecte un peu vos conditions de vie, vous pouvez mettre en première position. Voilà, donc, ici la langue russe,
On vous demande est-ce que vous, la langue, vous parlez la langue russe ici. Pas de langue maternelle, je ne maîtrise pas la langue russe. Voilà. Et ici, essayez comme ça, en ce qui concerne les langues, essayez de mettre la langue que vous maîtrisez. Parce que c'est en fonction de la langue que vous maîtrisez qu'on fait le regroupement des étudiants étrangers. Par exemple, si vous venez dans une université comme à Belgorod, peut-être à Belgorod, le système c'est quoi? Le système c'est qu'ils font, ils regroupent les étudiants par 10. Donc, si ils regroupent les étudiants par 10, si par exemple comme ça, lorsque vous arrivez, on vous demande quelle est la langue que vous maîtrisez, français ou anglais, vous dites français, il y a un groupe. Il y a un groupe où vous allez être. Vous comprenez? Si c'est anglais, il y a un autre groupe où vous allez être. Vous comprenez? Donc, ici, n'oubliez pas de mettre. Parce que si vous mettez, par exemple, comme ça, français, ou bien vous ne mettez pas, et que vous vous retrouvez dans un groupe où tous ceux qui sont là-bas parlent pas l'anglais, vous comprenez? Si vous ne maîtrisez pas l'anglais, qu'est-ce qui va se passer? Et c'est parce que lorsque le professeur, comme ça, explique les éléments en russe et que personne ne comprend, il pose la question, quelle est la langue que vous comprenez? Ils disent tous anglais. Alors que toi, tu es là, tu es assis là, tu ne comprends rien de la langue. Donc, il va essayer de faire quoi? S'il maîtrise un peu l'anglais, il va essayer d'expliquer ce qui se passe en russe en anglais. Vous voyez? Et ça devient encore double pour vous. Vous devez comprendre l'anglais et vous devez comprendre encore la langue russe. Vous comprenez, vous voyez que c'est assez compliqué. Donc, ici, si vous maîtrisez l'anglais, vous dites que vous maîtrisez l'anglais. Vous dites, par exemple, ça, je parle couramment. Si vous parlez couramment, ils peuvent vous mettre dans un endroit. Maintenant, si vous parlez aussi français, vous ajoutez français ici. Voilà, français, pour dire que français, là même, c'est ma langue maternelle. Vous voyez, c'est ma langue maternelle. Ça veut dire que vous, on ne peut plus rien faire pour vous. On va vous mettre directement avec ceux qui parlent français. Vous comprenez? Maintenant, au cas où ceux qui parlent français ont atteint déjà leur limite, leur quota, on va vous mettre, quand vous parlez un peu, vous parlez couramment, on va vous mettre aussi dans ceux qui parlent anglais. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, ici, quelle est la nécessité d'étudier au département préparatoire? Même si vous êtes en train de faire la langue russe actuellement, mettez que vous devez faire la langue russe. Ça ne veut pas dire que lorsque vous allez finir de faire la langue russe et qu'on vous sélectionne, vous allez faire encore la langue russe. Non. Dans le cas contraire, si vous ne mettez pas ça, après, ils vont vous demander, lorsque vous allez mettre un document, ils vont vous demander de mettre votre diplôme de langue russe. Alors que c'est maintenant que vous êtes en train de faire la langue russe. Vous voyez? Donc, il y a assez de nuances. Donc, même si vous êtes en train de faire la langue russe et que vous pensez que lors de votre sélection, parce que c'est en septembre, vous aurez déjà obtenu la langue russe, ce n'est pas un problème. Vous mettez, et lorsque on vous envoie dans une université, ou bien si c'est votre université même qui vous prend, parce que pour que votre université vous prenne, pour avoir une grande probabilité d'être dans la même université, je vous le dis encore, allez-y à l'immigration des étudiants étrangers, prenez une recommandation de votre université pour pouvoir l'insérer ici. Quand ils vont voir la priorité que vous voulez et aussi le lien que vous avez avec votre université. Vous dites que vraiment, si l'université a accepté de lui donner une recommandation, ça veut dire que vous êtes quelqu'un de très préférable dans l'université. Et il y a une grande probabilité que votre université se porte garant pour que vous soyez là. Vous comprenez? Pour que vous soyez dans leur université. Vous comprenez? Donc, ici, je mets que je dois faire la langue russe. Ok. Maintenant, si vous êtes ici et que vous avez déjà obtenu des Olympiades dans votre pays, par exemple, si vous avez été premier et que vous avez été récompensé, vous avez les documents là avec vous et tout, vous mettez là. Vous mettez ça ici. Vous mettez là, vous ajoutez ici. Voilà. Donc, vous mettez les Olympiades ici. Si vous êtes aussi sportif, voilà, vous pouvez les mettre là. Moi, je ne le mets pas parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup ici. Mais c'est très important parce que ça fait la différence entre vous et les autres. Voilà, si vous avez les mêmes éléments, c'est-à-dire vous avez les mêmes records et qu'on ne voit pas comment est-ce qu'on peut vous différencier, on peut vous noter en fonction de ce que vous avez obtenu. C'est vrai que vous êtes du même niveau, mais vous êtes préférable parce que vous présentez des Olympiades de façon internationale ou bien des Olympiades russes que vous avez reçues ici. Voilà, vous savez que votre niveau est assez élevé. Donc, il peut vous choisir facilement. Ok, alors je continue. Ici, autre formation. Ici, là, comme je l'ai dit, l'élément qui est là que vous devez remplir, c'est l'élément qui se trouve ici. Projet d'études après
après projet, après études. Ici, voilà, vous pouvez mettre directement que c'est vrai que peut-être vous allez venir, vous allez travailler ici, vous allez faire autre chose, vous allez mettre que ici, après mes études, je vais comme ça retourner dans mon pays. Mais vous mettez aussi votre projet d'études. Si je viens faire peut-être la médecine, voilà, je peux mettre ici que voilà, la médecine chez nous est en plein essor, c'est-à-dire il y a des postes vacants en médecine. Alors je viens faire la médecine ici pour pouvoir servir mon pays. Vous voyez. Voilà. Mais lorsque vous allez utiliser, n'utilisez pas les apostrophes et tout ça, vous voyez que ça ne marche pas. Vous voyez. Voilà. Donc ce que moi je vous dis, vous écrivez ces éléments-là en langue française là-bas sur Google et vous insérez ici en langue russe. Ici, vous insérez en langue russe, n'oubliez pas. Ok, donc, une fois que c'est bon, moi j'avance. S'il y a un souci, ils vont me dire qu'il y a un souci, je vais rectifier. Voilà, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Et n'oubliez pas, prenez note à la fin, vous pouvez me poser vos questions, les questions que vous souhaitez. Ok, et là j'arrive. N'oubliez pas ici aussi, vous voyez, si vous vous êtes trompé, maître. Ok, ici, si vous vous êtes trompé et que vous ne pensez pas vraiment ce que vous avez mis, vous pouvez écrire ici à l'ambassade. Ils vont annuler les éléments. Ils vont annuler des éléments. Parce que arrivé un moment, lorsque vous soumettez, vous ne pouvez plus. Lorsque vous soumettez, vous ne pouvez plus reprendre. Donc vous écrivez au mail de l'ambassade. Ils vont eux-mêmes, vous allez leur donner votre code. Lorsque vous écrivez, il y a un code ici que je vais vous montrer. Le code de votre application, vous leur envoyez votre nom, prénom et le code de votre application. Ils vont venir là, ils vont rectifier, ils vont supprimer ce que vous voulez et ils vont vous renvoyer votre site pour que vous puissiez changer. Voilà, donc c'est assez important, n'oubliez pas. Ok, donc lorsqu'on arrive à ce stade-là, par rapport au document, ici, le document peut avoir ces formes-là, maximum 10 mégaoctets, voilà, et ça ne doit pas dépasser aussi 60 mégaoctets lorsque vous mettez tous les documents. Ok, donc ici, dans un premier temps, vous allez d'abord télécharger le consentement. Ce consentement-là dit que vous êtes d'accord qu'on envoie vos documents et vos coordonnées aux universités. Voilà, pour ne pas dire après que je ne savais pas pourquoi est-ce que mes coordonnées sont retrouvées ici. Donc, on vous dit de signer ce consentement-là. On vous dit de signer ce consentement-là pour ne pas vous plaindre plus tard. Voilà, donc, pour ceux qui sont déjà ici, vous savez que le IA, ça veut dire « je ». C'est-à-dire que moi, Yao Gervais, donc ici aussi, il y a la partie qui est en anglais, ici, voilà, c'est toujours en anglais, c'est jamais en français, c'est anglais ou bien russe. Donc moi, Yao Gervais, avec le numéro de candidature, le numéro du passeport qui se trouve là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, par exemple, vous, je le dis encore, vous signez et l'élément qui est en russe, vous signez aussi l'élément qui est en anglais, c'est-à-dire les deux documents, et vous les remettez encore sur la plateforme. Donc ici, par exemple, comme ça, je mets la date ici, vous mettez la date ici juste devant là, vous signez juste devant là, vous voyez, vous signez juste devant là, et ici vous mettez, regardez ici par exemple comme ça, ici là, mon nom de famille c'est quoi, c'est Yao, et mon prénom c'est Gervais. Donc ici je mets ici, mon nom de famille, donc mon nom de famille ici, je mets Yao, je mets le R renversé. Bon, ça c'est pour ceux qui sont là-bas. Hein. Maintenant pour ceux qui sont ici, je mets le R renversé ici, le Yao, et je mets le J de Gervais. Donc Yao, virgule, le Ya qui est là, ici. Ce qui est là, l'élément qui est là, point, je prends ça, point, le J qui est là. Vous voyez? Donc, je mets d'abord Yao, virgule, le R qui est là, renversé, point, le J qui est là. Ok. Et vous faites de même aussi pour. Vous faites de même, je vais vous montrer un peu. Ici, j'avais mis, par exemple, comme ça, Google Translate. Voilà, ici. Donc, si je dois faire, je vais mettre, par exemple, comme ça. Le Yao ici, le Yao qui se trouve là, vous voyez, je vais mettre comme ça le Y et l'élément qui est là, point,
le J, Gervais. Voilà. Et ici aussi, je fais la même chose. Ici aussi, je fais la même chose en ce qui concerne l'anglais. Ici, je mets la date, je mets la signature. Et ici, je mets Yao, virgule, je mets Y, point, G. Yao, virgule, Y, point, G. Yao, virgule, Y, point, G. Voilà, n'oubliez pas, c'est important. Ok, donc, une fois qu'on finit, qu'est-ce qu'on fait? On remet ce document-là. Une fois qu'on finit de signer, on met les documents ensemble, comme vous l'avez vu là. Et on vient remettre ici, on sélectionne et on remet. Donc, je vais sélectionner rapidement. Voilà, on sélectionne et on remet ici. Voilà, et lorsqu'on remet, ça finit de charger, on remet là. Comme je l'ai dit, il y a deux tours. Il y a le premier tour pour la première sélection et il y a aussi le second tour qui se trouve là. Ok, donc ici, je mets le passeport. Je mets le passeport. Après cela, je mets, comme je l'ai dit, je peux mettre le passeport ou la carte d'identité ici. Et après ça, je mets le diplôme. Comme moi, je viens faire la licence, je mets mon diplôme de baccalauréat ici, au second. Donc ici, je mets directement mon passeport. Je mets directement mon passeport. Je mets mon passeport ici. N'oubliez pas, le passeport ne doit pas dépasser les 10 mégaoctets. Ok, je vais sauvegarder et mettre rapidement. Ok, après ça, je mets mon diplôme de baccalauréat. Si vous avez déjà le diplôme et le certificat, vous pouvez mettre les deux. Maintenant, si vous avez seulement que le certificat, ce n'est pas un problème, vous mettez le certificat. Donc ici, je mets le certificat rapidement. Voilà, vous voyez ici, il y a le diplôme et le certificat. Donc je peux prendre les deux. Voilà, et je mets directement. Et je vais sauvegarder. Ok, vous voyez que les deux éléments sont sortis là. Et comme je l'ai dit, chez nous au pays, voilà, on fait les deux tours, c'est-à-dire on fait le premier tour ici. Et après sélection, on va passer maintenant, ils vont nous dire passer au second tour avec un message. Maintenant, je le dis encore et je le répète. Maintenant, s'il se trouve que cette année, par exemple, notre pays ne veut pas faire de deux tours, ils vont vous dire de mettre tous ces documents en même temps. C'est-à-dire, et ici, lorsque vous allez soumettre, ils vont vous renvoyer, ils vont vous dire, mettez tous les documents en même temps. Ils vont vous dire de mettre tous ces documents-là. Vous voyez? Ils vont dire mettre tous ces documents-là. Donc, pour mettre tous ces documents, c'est juste pour vous apprêter. Donc ici, le document de sélection, ça, c'est pas pour vous. Ça, c'est lorsque vous allez être sélectionné pour la première partie. Ici, lorsque vous serez sélectionné pour la première partie qui se trouve là, eux-mêmes, ils vont prendre votre document de sélection. Ils vont mettre ça ici. Voilà, donc ici, vous ne touchez pas. Et là, le certificat médical, c'est-à-dire, vous allez faire des analyses de tuberculose, d'hépatite B et C. Voilà, vous mettez ici. Après ça, votre passeport, vous devez traduire et notarier. La traduction et notarié, c'est vraiment différent. Vous pouvez traduire et c'est pas notarié. Vous pouvez traduire et notarié qui prouve que votre traduction, c'est de l'original. Voilà. Donc ici, et là, éducation documentaire. Ici aussi, vous pouvez traduire vos documents. Voilà, vos documents que vous avez, c'est-à-dire le diplôme et les relevés de notes. Vous pouvez traduire et vous insérer là. Après ça, CV en russe, ça, c'est pas vraiment important. Maintenant, pour ceux qui font le master et le doctorat, voilà, moi je vous considère vraiment et je vous dis d'insérer là votre CV en russe ou bien en anglais. C'est vraiment important. Et lorsque vous finissez là, vous devez aussi mettre votre certificat de VIH-SIDA ici. Ça, c'est vraiment important. Vous savez déjà que les Russes ont vraiment peur du VIH et de la tuberculose. Donc, vraiment, essayez de mettre ces éléments-là ici. Ok, et vous devez savoir que au pays, on ne recommande pas vraiment à des personnes ou bien aux étudiants d'aller dans une clinique bien spécifique comme le font les Camerounais. Ils ont fixé les demandes, c'est-à-dire les éléments des tests médicaux sur des cliniques assez spécifiques. C'est-à-dire que c'est là-bas seulement que vous devez faire. Si vous ne le faites pas là-bas, on ne le reconnaît pas. Donc là-bas, eux, c'est leur business. Donc nous, c'est pas ça. Vous allez à la clinique où vous voulez. Vous faites vos tests, vous insérez là tranquillement. Voilà, donc ici. Et c'est ici que
que je suis en train de vous parler, pour ceux qui sont, si vous vous trouvez dans une université qui vous plaît vraiment et qu'il y a tout là-bas, tout ce que vous voulez s'y trouve, vous ne voulez pas quitter l'université, vous demandez à votre, vous voyez que je répète à plusieurs reprises, parce que je ne peux pas quitter une université où c'est bien pour aller dans une université parce que j'ai été retenu. Parce que si vous faites par exemple la licence 1 ou bien la licence 2 et que vous êtes retenu, vous allez continuer la licence 3 parce que vous avez déjà un système russe. Ils ne vont pas vous faire reprendre comme ceux qui sont au pays. Non. Si vous faites la licence 1 ou bien la licence 2 et que vous avez passé, si vous obtenez cette bourse-là, vous allez continuer dans une autre université. Alors, pour ne pas continuer dans une autre université, si l'université vous sied et que ça vous plaît, vous pouvez déjà ici directement utiliser une lettre de recommandation de l'administration. Demandez une lettre de recommandation pour venir mettre ici la lettre de recommandation. N'oubliez pas, c'est assez important pour ceux qui veulent rester dans leur université. Ok, donc après ça, je continue. S'il y a un problème, ils vont me dire, je vais aller reprendre. Ok, donc, dans les normes, si vous n'avez pas encore fini, ce qui est là va jamais s'activer. Vous voyez que c'est activé. Ça veut dire que j'ai bien rempli là-bas. Ça veut dire que les documents qui sont vraiment essentiels, j'ai déjà inséré tout. Et ici, délai de candidature, vous allez voir, c'est le 1er novembre. Le 1er novembre, ça veut dire que ça vous reste au moins 2 semaines pour pouvoir finir tout ça. Donc, c'est assez important, n'oubliez pas. C'est hyper, hyper important. Si vous pouvez faire rapidement, faites-le rapidement. Voilà, donc ici, une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez là, application d'impression. Ça, c'est un document qui rassemble tout ce que vous avez déjà fait là-bas auparavant. Donc ici je vais cliquer là et je vais télécharger ce document là. Donc je télécharge ce document ici, je viens là et je vous montre le document. Vous voyez, il y a ma photo qui se trouve là et ici il y a toutes les informations que vous avez entrées. Voilà, donc vérifiez les informations qui sont cochées là, c'est-à-dire c'est ce que vous avez fait. Donc ici, et vérifiez aussi l'élément qui est important parce que parfois lorsque vous remplissez, après lui-même, de son propre gré, il essaie comme ça de se décocher. Donc vérifiez bien si vous avez coché la partie où on vous dit de faire la langue russe. Parce que après, si vous ne cochez pas ça et que vous n'avez pas de certificat, ça sera vraiment très compliqué de les contacter pour que les gars puissent vous remettre en langue russe. Ça va vraiment hyper compliqué. Donc voilà la partie qui est là, c'est coché, donc on avance. Ok, arrivé là, vous venez à la dernière page. La partie qui vous concerne, c'est ici. Les deux éléments qui sont là, c'est-à-dire date ici et votre signature. Je dis bien les deux parties qui sont là, c'est tout. Ne mettez pas, n'écrivez pas ailleurs sur ces deux parties seulement, c'est ici. La date, vous mettez d'abord le jour, le mois, l'année, et aussi juste à côté là, vous faites quoi? Vous signez. Voilà. Donc vous mettez la date ici, vous signez. Et lorsque vous finissez, vous mettez tous les documents ensemble, normalement comme vous le voyez là. Et si il se trouve que vous avez comme ça un problème et que vous voulez rectifier des éléments, vous voyez le numéro qui est là. Je vais zoomer, vous allez voir le numéro. Vous voyez le numéro qui est là. Vous voyez? Le numéro qui est là, c'est ce numéro-là. Lorsque vous allez écrire à l'ambassade, voilà, j'ai fait une erreur de temps en temps, je veux rectifier, je veux faire la médecine, j'ai pris informatique alors que je veux faire la médecine, donc j'aimerais supprimer et puis faire la médecine, tout. Donc, vous mettez d'abord mon nom, vous mettez votre nom, prénom, vous mettez votre prénom, et vous mettez register number, vous mettez ça, vous mettez CIV, 10, voilà, vous mettez tout ça. Et lorsque vous finissez, vous envoyez votre message. Eux-mêmes, ils vont aller supprimer, ils vont vous envoyer un message et vous allez aller rectifier. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, une fois qu'on finit, qu'est-ce qu'on fait? Je vais maintenant signer, je finis de signer, je vais retélécharger ici. Donc, je vais chercher le document pour venir retélécharger là. Application, je crois, voilà. Ok, donc, je mets le document en ligne. Voilà. Et une fois que je finis de mettre le document en ligne, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant sauvegarder et ça sera maintenant la dernière partie pour pouvoir soumettre ma candidature. Mais ici, ce qu'on va faire est très simple. Moi, je ne vais pas soumettre, je ne vais pas leur permettre de voir toutes ces conneries que j'ai mis en ligne. Voilà, ça, ce sont des conneries. Voilà, donc, je n'ai pas... Je vais comme ça, peut-être,
je pars, je vais soumettre et je vais retirer. Je vais soumettre et je vais retirer. Donc, ils ne vont pas vraiment me fatiguer pour ça. Alors, une fois que vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous allez soumettre ici. Vous envoyez votre demande. Et lorsque vous envoyez votre demande, vous allez recevoir un message. Et aussi, pour pouvoir voir que vous avez bien soumis, votre demande, vous avez vu, on dit que la demande a été soumise, ça c'est la Fédération de Russie, pour vérification. Et aussi, ils vont envoyer à notre ambassade. Donc, pour pouvoir voir que j'ai bien soumis, je viens là, dans mes applications, ici, vous allez voir que ils ont mis là, retirer sa candidature. Ça veut dire que j'ai soumis, et on me dit de retirer. Vous voyez? Donc moi, je ne vais pas leur donner du travail pour un faux compte. Alors, ce qu'il va faire est très simple, je vais retirer, mais vous ne retirez pas. Bon, de toute façon, vous savez de quoi je parle. Donc, moi, je vais retirer ma candidature. Voilà. Parce que c'est un faux compte. Donc, je ne vais pas me fatiguer. Je ne vais pas fatiguer les pauvres personnes. Alors, donc, vous voyez, j'ai retiré ma candidature. Alors, c'est un peu ça. Donc, je crois qu'on vient de finir. Alors, ceux qui sont maintenant intéressés, vous pouvez postuler et de là, je vous donne la parole pour poser vos questions. Merci à vous. Merci à vous également, monsieur Aboua. Merci pour votre temps, merci pour toutes ces informations. Et voilà, comme déjà annoncé, nous sommes dans la séance aux questions. Donc, pour toutes ces personnes qui ont des questions, vous pouvez soit écrire dans le chat ou appuyer sur le signe d'or au bas de votre écran. Voilà, donc on commence. Monsieur Ismaël, vous avez la parole, votre question. Bonsoir à tous. À vous. Oui, salut. Bonsoir à toi. Salut à vous. Donc, vous avez parlé, nous avons compris. Et moi, j'ai plusieurs questions, mais je vais commencer d'abord par ma première question. Oui. Tu as dit que genre, les universités. Bon, je prends un exemple, les universités qui n'ont pas de bourse interne, là. Bon, oui. Qu'est-ce qu'on fait? Les universités qui n'ont pas de bourse interne, vous postez seulement que quand la bourse du gouvernement russe se trouve là, juste devant vous, et c'est tout. Et la recommandation, genre, c'est forcément. Quand tu vas à l'immigration, il n'y aura pas de problème. Quand tu vas leur demander que tu veux une recommandation, il n'y aura pas de problème en fait. Non, il n'y aura pas de problème. Dans les normes, si vous avez une bonne connexion avec votre administration, vraiment, il n'y aura pas de problème. Vous allez là-bas, vous leur dites que vraiment votre université me plaît et vous avez tout ici et je suis vraiment reconnaissant. Alors, je voulais vraiment demander que vous me recommandiez pour la bourse de Russie que votre gouvernement a lancée. Ils vont vous donner. En tout cas, si vous n'avez pas tout mélangé là-bas, ils vont vous donner tranquillement sans problème. D'accord. Maintenant, nous, quand on a le bac au moins 5 à 6 ans, c'est comment? Parce que. Ah, bac 5 à 6 ans. Si vous avez. Mais après le bac 5 à 6 ans, vous êtes déjà ici. Vous avez fait le BTS? Oui, mais je n'ai pas soutenu. Vous n'avez pas fait le BTS? Alors, donc. Si vous n'avez pas fait le BTS, ce n'est pas un problème. Prenez juste une lettre de recommandation de votre université et vous prenez aussi votre certificat de fréquentation que vous avez en année de langue là, vous ajoutez sur votre diplôme. Sur votre diplôme que vous allez insérer là. C'est tout. C'est ça seulement qui peut rafraîchir un peu parce que 5 ans, je vous dis en même temps. Comment? Juste le certificat de langue, c'est tout. Certificat de langue. Vous avez le certificat de langue, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Donc, si vous avez le certificat de langue, donc, ça veut dire que vous êtes déjà ici. Donc, là, vous n'allez plus mettre pour la langue. Et c'est eux-mêmes qui vont vous demander aussi votre certificat de langue. Vous allez mettre cela. Vous comprenez? Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des répercussions sur votre diplôme. Parce que vous êtes déjà ici. Vous êtes déjà avancé ici. Donc, ce qui va rajeunir votre diplôme, ce sont les relevés de notes que vous avez eu ici. N'oubliez pas de mettre ces relevés de notes-là. Relevés de notes. Oui. Si vous avez fait. Vous avez fait l'attestation de la langue, c'est tout. Voilà, l'attestation de la langue. Maintenant, si vous n'avez pas encore fini le semestre, ce n'est pas un problème, mettez l'attestation de la langue. Et puis, croisez maintenant vos doigts, parce que 5 ans pour le bac, c'est beaucoup. Donc, je suis obligé de mettre, la langue est requise. Je continue, je mets la langue est requise, la formation de la langue. Oui, si par exemple, vous avez déjà obtenu la langue, alors vous ne cochez pas que vous voulez faire la langue. Vous ne cochez pas cela. Voilà. Lorsque vous ne cochez pas, ils vont vous dire,
et que vous allez soumettre, ils vont vous dire envoyez-nous votre diplôme de langue. Ils vont vous envoyer un message pour dire envoyez-nous votre diplôme de langue. Et vous allez leur envoyer. Lorsque vous allez leur envoyer, n'oubliez pas, c'est très important, avant de leur envoyer, faites le scan de votre visa. Vous associez à votre diplôme de langue pour leur envoyer. Parce que si vous envoyez le diplôme de langue, ils vont vous envoyer un message encore pour vous dire envoyez-nous votre visa. Vous comprenez? Donc, c'est comme ça qu'ils associent les trois, tu le mets ensemble. Voilà, vous associez le visa scanné et le diplôme de langue. Tous ceux qui ne vont pas cocher là. Avec le certificat de bac, non? Oui, le certificat de langue. Tous ceux qui ne vont pas cocher, qui ont besoin de faire la langue, ils vont leur envoyer un message pour leur dire si vous ne voulez pas faire la langue, alors envoyez-nous votre certificat de langue. Et ils vont vous demander encore votre scan de visa, le visa que vous avez dans votre passeport. Donc vous scannez en même temps et le visa et le certificat de langue, vous leur envoyez cela. Si je parle un peu rapidement, dites-moi, je vais reprendre. C'est bon? Le moment. Ok. Ok, la suite. D'accord, merci à vous, monsieur Simon. Monsieur Adamo Poli, vous avez la parole. Oui, bonsoir à tous. Bon, moi, c'est une question. Okay. Voilà. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Attends. Oui, j'ai une question, en fait. Okay. L'application que vous venez de remplir, et puis avec c'est pour le nouveau bachelor, en fait, déjà pour ceux qui postulent pour la licence. Ok. Mais j'aimerais savoir à quel niveau, pour ceux qui postulent pour le master ou le doctorat, quels sont à certain niveau, et les trucs qui doivent changer, en fait. Donc, quels sont ces niveaux? Ceux qui veulent postuler pour le master. Le master ou le doctorat. Avec ce que j'ai montré là, il n'y a pas grand chose qui change. Vous allez mettre votre diplôme de licence et les relevés de notes de la licence 1 à la licence 3, n'est-ce pas? Et aussi, s'il y a des choses qui vont changer, vous allez choisir. Lorsque vous allez traduire, ça va se présenter comme maître. Maître, ça veut dire master. Vous allez choisir master. Vous comprenez? Voilà, donc il n'y a pas vraiment assez de choses qui changent. Les seuls éléments qui vont changer, c'est forcément les parties. Ceux qui vont faire doctorat, par exemple, lorsque vous allez choisir doctorat, vous allez voir qu'il y a un élément qui va s'afficher là. Ils vont vous demander votre thème de doctorat. Le thème de doctorat, ça ne veut pas dire que vous devez choisir un thème rapidement comme ça. Non. Ce que vous allez mettre n'est pas forcément ce que vous allez faire ici. Voilà, donc n'oubliez pas. Ce que vous allez mettre, si c'est, rectification ou bien engagement sur les thèmes des groupements du Sahel, peut-être en Afrique, c'est pas obligatoirement, ça ne veut pas dire que arriver ici, vous allez soutenir sur ça. Non. Voilà. Donc, lorsque vous allez prendre doctorat, vous allez voir qu'il y a des champs qui vont s'afficher. Lorsque vous allez prendre master, rien ne s'affiche. Ça sera comme moi pour la licence. Donc, c'est pas un problème. Bon, c'est disparu, on continue directement. Mais au niveau du visa, puisque les nouveaux bacheliers, le visa, vous avez dit qu'on met la Côte d'Ivoire. Mais si par exemple, quelqu'un qui a réussi, il a déjà fait ce qu'on a réussi, il a déjà les bagarres. Qui veut postuler maintenant pour le master concernant le visa, puisqu'il va mettre qu'il a besoin du visa, c'est quel pays? Mais soit il obtient le visa pour tout le monde ici, soit il va partir au pays aller obtenir le visa là-bas. Non, vous ne retenez pas. Si vous faites, par exemple, je considère que moi je suis ici en licence, n'est-ce pas? Je suis en licence et peut-être jusqu'en juin, par exemple, je vais obtenir ma licence. Je prends un exemple comme ça. Jusqu'en juin, je vais obtenir ma licence. Donc, je considère que je fais ma quatrième année ici. Donc, je postule à cette bourse-là. Quand je vais postuler, je vais mettre tous les documents de licence 1 préparatoire jusqu'à... Et puis, je vais mettre aussi mon certificat de langue, licence 1 préparatoire jusqu'à licence 3. Vous voyez? Et quand je vais mettre ça, quand je vais finir de mettre, je vais soumettre. Si je suis sélectionné, déjà... c'est certain que j'ai demandé une recommandation de mon université. Donc, j'ai la priorité sur mon université. Vous voyez? Donc, s'ils doivent vraiment me donner la bourse, ils vont me donner la bourse, mais dans mon université. Parce que j'ai fini là. Et quand je finis là, l'université même m'appelle pour me dire, vous avez été retenu. L'université même où je suis, va m'appeler pour me dire, vous avez été retenu. Donc, on vous reconduit directement en master. Vous n'allez pas... Et puis, le truc reste identique. Quand vous êtes ici,
ça reste identique. Où vous allez, c'est comme si quelqu'un veut payer ses coûts, il quitte une autre université, et puis cette personne-là va dans une autre université pour aller s'inscrire. Arrivé là-bas, qu'est-ce qui se passe? On prend vos documents et on vous récolte encore un visa de 1 an. Vous voyez, c'est différent de ceux qui vont quitter là pour venir. Vous voyez? Voilà, donc rien ne change en tant que tel. Si vous êtes déjà ici, rien ne change en tant que tel. Vous n'allez pas au pays pour y venir. Non, c'est pas possible, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que ici, il y a plusieurs personnes qui ont obtenu et qui ont fait cette transition-là sans problème. Lorsque vous obtenez la bourse, on vous dit, vous n'êtes plus à Samara, vous êtes à Saratov. Vous prenez vos documents, vos diplômes, tout ça, vous allez à Saratov. Arrivé là-bas, vous donnez votre passeport, ils vont prolonger comme normalement, comme si vous avez juste changé d'université. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais je vais demander à Ismaël, est-ce que vous pouvez être là-bas? Faites, parlez un peu fort, s'il vous plaît. Non. La question que je posais est que, puisque dans l'application, on te demande si tu as besoin du visa ou non. Maintenant, quand tu mets le visa, le pays, c'est. Mettez quoi d'ivoire? Si vous ne mettez pas quoi d'ivoire là, après ça va vous créer des problèmes. Mettez quoi d'ivoire, c'est pas un problème. Qui disent que vous êtes retenu? Qui disent seulement que vous êtes retenu, c'est tout. Si vous êtes retenu, vous allez voir que l'université même va vous contacter. Vous allez partir là-bas, c'est pas un problème. Vous allez causer directement avec le service qui se trouve ici pour vous orienter dans votre université. Ok, il n'y a pas de souci. Bon, il y a une dernière question. Me poser la parole. Bon, il arrive souvent que il y a certaines filières la filière existe dans ton université, mais sur l'application, quand tu mets ta filière, l'université dans laquelle tu es parti, ça ne s'affiche pas. Oui. Parfait. À ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Puisque la filière existe vraiment dans l'université, mais sur l'application, dès que tu mets la filière, rien ne s'affiche. Oui, vous savez déjà que chaque pays a ses préférences. Vous voyez, si vous, par exemple, comme ça, vous voulez étudier au Canada, lorsque vous allez sur la plateforme, on met directement les filières pour étudier étranger. Vous voyez, les filières pour étudier étranger. Même si vous allez en Côte d'Ivoire, si vous êtes russe et que vous voulez étudier en Côte d'Ivoire, arriver là-bas, ils vont pas mettre filière nucléaire pour toi. Le nucléaire, c'est comme un truc bien gardé, tu vois. Donc, ils vont pas vraiment mettre le nucléaire pour étudier étranger, pour venir étudier le nucléaire et repartir. C'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si vous voulez vraiment faire la filière, vous demandez au prof, est-ce que cette filière-là, il peut faire cette filière? Ils vont vous dire, si ce n'est pas sur la plateforme, est-ce qu'ils peuvent aussi relancer lorsqu'il y aura des concours internes là-bas? Parce que si ce n'est pas sur la plateforme, vous ne pouvez pas choisir. Ça veut dire que c'est ce que vous pouvez choisir qui se trouve sur la plateforme. C'est ce que l'étudiant étranger peut faire qui se trouve sur la plateforme. Vous voyez? Ok. Pour la dernière question, concernant l'adresse de domicile. Bon, pour ceux qui sont russes, ils croient que l'adresse de domicile, là, c'est forcément la Russie et puis où ils vivent, n'est-ce pas? L'adresse de? Le domicile. Oui, ceux qui ont fait. Si vous avez déjà fini de faire la licence, ne vous fatiguez pas à aller mettre l'adresse hors de votre pays et tout ça. Vous mettez pour ici. Il y a assez de contradictions, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Il faudrait qu'on vous dise seulement que vous êtes sélectionné. Vous allez voir que ça va aller un peu plus vite. Et plus simplement. Ok, bon. Moi, c'est fini. Je crois que quand tu finis de remplir toute l'application, il n'y a pas de document envoyé à l'ambassade, ni rien. À l'ambassade de la non, si vous, si vous êtes ici, ce n'est pas la peine. Si vous êtes ici, c'est pas la peine. Si vous êtes au pays, c'est en ce moment-là qu'on vous dit, ok, vous êtes sur la liste des admis. Maintenant, pour prouver vraiment que, pour montrer la véracité de vos documents, envoyez vos documents, on va vérifier. C'est pourquoi ils prennent plus d'étudiants que le quota demandé. Comme ça, il y a des diplômes qui ne sont pas vrais. Vous savez, on est ivoirien, on sait. Il y a des diplômes qui ne sont pas vrais. Lorsque on vous dit, ok, vous êtes sur la liste des 300 personnes, mais 400 personnes, envoyez maintenant vos documents. C'est là qu'on élimine, plusieurs personnes. Quand il y a d'autres qui ne vont pas parce que ces personnes-là savent que leurs diplômes ne sont pas vrais, ne sont pas de vrais diplômes, ne sont pas authentiques. Vous voyez. Donc, ils vont éliminer et ceux qui vont rester vont voir venir. Donc, c'est pourquoi ceux qui sont au pays vont là-bas. Maintenant, si vous êtes ici, on a déjà fait. Si vous êtes ici, quand vous êtes arrivé ici, vous avez déjà fait une équivalence, n'est-ce pas? L'équivalence, lorsque vous avez envoyé l'équivalence, votre diplôme à Moscou, c'est une vérification. C'est le pays d'abord, le passeport. C'est notre ambassade qui vérifie, qui met le tampon et on fait l'équivalence. Si votre document n'est pas vrai, on ne peut pas faire votre équivalence. On vous dit qu'il y a un problème sur votre numéro de diplôme.
Vous voyez, donc chez vous ici, il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas aller encore à l'ambassade pour aller déposer des éléments. C'est pas possible. Déjà même avant d'arriver ici, vous avez déjà fait les certifications, les légalisations. S'il y avait un problème sur votre document, déjà même là-bas, au pays, ils allaient vous refuser. Vous comprenez? Donc, c'est deux sujets qui sont assez différents. Donc, okay, c'est merci à vous, monsieur Adamo Koulé, pour ces questions. Okay. Monsieur Ontotien Mohamed, vous avez la parole. Est-ce que c'est voilà, connaissez votre nom? Alors, rebonsoir à tous encore. Oui, salut à vous. Mm-hmm. Merci pour votre intervention. En vrai, moi, j'ai des problèmes, en fait. Ok, écoute. Voilà. Moi, je suis en Russie, ça fait maintenant 9 mois que je suis en Russie. 9 mois. Et lorsque j'étais 9 mois. Et lorsque j'étais en année de langue, oui. J'avais postulé pour la bourse en économie. Oui. Voilà. Et lorsque j'ai postulé, genre, j'ai été retenu lorsque j'étais en année de langue pour, oui. Genre, pour faire la licence. Oui. Donc, après ça, je reçois un message de mon université d'Abidjan oui. Que ma licence est prête. À l'université d'Abidjan. Donc j'ai c'est-à-dire en fait genre j'ai fait d'abord la licence au pays et j'avais demandé genre mon diplôme en fait. Le diplôme n'était pas encore sorti. Pour récupérer, donc mon visa est sorti, okay. Voilà et je suis venu. Okay. Donc ça a pris du temps tout ça. Donc lorsque j'ai postulé genre pour la bourse, je reçois un message genre pour dire c'est-à-dire genre j'ai été sélectionné pour la première étape. OK. Donc je dois maintenant faire tout ce qui est examen de sang, tout ça, okay. Pour moi envoyer. Ok, ok. Voilà, donc je m'apprêtais à le faire et je reçois maintenant le message de mon université d'Abidjan du genre que le diplôme est prêt, la licence est prête. Ok. J'ai essayé de me renseigner parce que je voulais maintenant changer pour aller en Master 1. On me dit non, que c'est pas possible. Oui. Que j'ai déjà été genre, sélectionné pour la licence, donc je ne peux pas vraiment. Bon, ce sont les on-dit. J'ai essayé de me renseigner, ils m'ont dit non, que c'est pas possible. Donc, je dois forcément laisser la bourse tomber ou je dois aller faire, genre, reprendre la licence. Donc, j'ai laissé la bourse tomber. Et cette année, je décide maintenant de postuler pour le master. Oui. Voilà. Je suis en master 1 actuellement de gestion. Oui. Et j'arrive au niveau, genre, des choix d'établissement. Oui. Je regarde sur la liste, il n'y a pas vraiment mon université. Oui. Voilà, il n'y a pas mon université et j'ai une jeune dame éthiopienne dans ma classe qui bénéficie aussi de la bourse en gestion. Mm-hmm. Donc, j'ai essayé de me renseigner avec elle. Elle m'a dit vraiment que ce n'est pas le même qui a postulé, que c'est une Indienne qui a postulé. Mm-hmm. Je m'approche aussi d'elle. Elle m'envoie au service d'immigration. Mm-hmm. Donc, moi, maintenant, je leur envoie un email. Du genre, j'ai besoin genre, d'une lettre de recommandation. Voilà, pour pouvoir postuler. J'ai besoin d'une lettre de recommandation genre, pour pouvoir genre, me soutenir en fait pour la bourse. Oui, oui, oui. Et maintenant, ils me disent que ce n'est pas possible en gestion, mais c'est forcément en économie que je peux, genre, il peut faire la lettre en fait. Qui peut faire la lettre? Il peut faire la lettre seulement en économie, pas en gestion. Voilà, voilà. Pas en gestion, que en tout cas, que dans notre école là, que. On ne bénéficie pas de la bourse en gestion. Alors qu'il y a quelqu'un qui a bénéficié de la bourse en gestion déjà. Voilà, voilà. Pourtant, il y a une même dans ma classe déjà gens qui bénéficient de ça. Mais lorsque vous voyez sur le site, est-ce qu'il y a gestion? Il n'y a pas gestion. Il y a gestion, mais vous ne voyez pas. Gestion. Il y a gestion. Voilà, il y a gestion, mais je ne vois pas mon établissement en fait. Ah, non. Il y a gestion, mais vous ne voyez pas votre établissement, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Mais dans quel coup la fille, elle a eu la bourse. Voilà. La fille, ça va dépendre. La fille, c'est une bourse mm-hmm. interne qu'elle a reçue ou bien c'est une bourse sur le site que vous voyez là. Non, c'est sur le site. C'est le site. Elle a fait ça auparavant, avant vous, mais c'est quoi? En fait, nous sommes, nous sommes dans la même classe en année de langue. Oui. Et elle avait déjà sa licence avec elle en fait. Uh-huh. Et moi j'avais seulement le bac. Donc, elle a postulé avec la licence. Moi, j'ai postulé avec le bac. Auparavant, n'est-ce pas? Auparavant. Si. Et cette année,
ils n'ont pas, votre université ne concourt voilà. pas, ne concourt pas ça. Pour ce domaine-là. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. C'est. Est-ce qu'il disait? Donc j'ai regardé dans les autres établissements aussi ici. Oui. Eux aussi ne prennent pas tout ce qui est gestion. Là, ils ne prennent pas. Ouais, ça peut être une situation de quota. S'ils ont atteint le quota, voilà. Là, en termes d'étudiants étrangers, c'est pas la peine. Ouais. Voilà. Donc maintenant, pour le choix d'établissement, oui. J'ai fait 5 choix. Oui. J'ai pris d'abord Moscou, j'ai pris Saint-Pétersbourg, j'ai pris Kazan. Bon, en tout cas, il y a des universités que j'ai eues en gestion. OK. Ou le master. Donc, okay. J'ai postulé. Uh-huh. Ça, bon, je n'ai pas encore envoyé, mais uh-huh. j'ai essayé d'écrire au diplôme d'université uh-huh. que j'avais besoin d'une lettre de recommandation que je veux venir faire le master dans l'établissement. Une lettre d'information pourtant, là-bas, si vous n'êtes oui, pas, là, si vous n'êtes oui. pas là-bas. Mm-hmm, oui. Bon. Et maintenant, et il me dit, c'est-à-dire, genre, il y a une seule, c'est l'université de Saint-Pétersbourg qui m'a répondu. Oui. L'université me dit que je dois d'abord envoyer, je ne sais pas comment vous voyez, quand on finit de remplir tout, le dernier document qu'on envoie, c'est-à-dire genre, ouais. le dernier document qu'on signe. Là. Oui, oui. Ils me disent d'abord que je dois envoyer ça, que oui. c'est à travers ça qu'ils vont faire ma lettre de recommandation. Okay. Pourtant, l'année passée, lorsque je postulais dans mon établissement, oui. Ils avaient juste besoin de le numéro, je ne sais pas, quand tu crées ton compte personnel, il y a un numéro qu'on te donne, là, ton ouais, identifiant. Le CIV, tout le voilà, tout c'est ça. Ils m'ont dit, ils avaient juste besoin de ça. Avec mon contrat d'études. Donc, j'ai envoyé qu'ils ont fait ça pour l'année passée. Donc, cette année, je décide maintenant de postuler pour le master. Oui. C'est seulement l'université de Saint-Pétersbourg qui me répond, qui me dit non. Voilà. Qui me répond du genre que je dois envoyer. Mais... Du genre que je dois envoyer. Uh-huh. Je dois envoyer, c'est-à-dire le document là. OK. Maintenant, j'aimerais savoir en fait. Oui. Parce que l'année passée, lorsque je postulais, j'avais déjà tout rempli avant oui. d'envoyer. Ok. Voilà, donc je me disais que... Vous avez déjà tout rempli, donc vous ne voyez pas à quel moment vous allez remettre encore la recommandation. Si... Non. En fait, l'année passée, bon, en tout cas, bon, selon moi, ce qui a fait que j'ai été retenu, c'est que j'avais déjà tout ce qui est traduction, j'avais déjà tout envoyé sauf les examens. Ok. Vous voyez, non? Oui. Donc, pour moi, cette année, bon, c'est ce que je voulais faire cette année, même faire les examens et puis ajouter. Mais là, on me demande d'abord, d'envoyer le dernier document, le document que je dois signer là. Oui, mais faites et puis envoyez. Ou bien il y a un problème pour pouvoir les renvoyer ça? Non, en fait. Bon, d'accord. Donc, pour la première étape de sélection, là, oui. Ils ont besoin de quoi et de quoi, en fait? Pour la première étape, ils ont besoin de sélection. Oui, pour la première étape, c'est juste votre diplôme, voilà, oui. et votre passeport. D'accord. Votre diplôme et votre passeport. Maintenant, je sais pas, vous n'avez pas vraiment des établissements de gestion, une liste de gestion. Oui, parce que j'ai écrit aux universités, là, ils ne me répondent pas, c'est juste l'université qui m'a répondu. Et je crois que l'université de Kazan oui. m'envoie un mail disant je dois intégrer un groupe sur Telegram. Pour j'intègre le groupe. Ouais. Oui, j'intègre le groupe, je pose ma question 1000 fois, on ne me répond pas en fait. Ils ignorent même les gens mon message. Ils causent, et puis j'ai l'impression qu'ils causent, et puis... En fait, c'est une école d'agriculture. Bon, c'est un peu confus d'une manière. Mais quand donc, je ne sais pas si je dois enlever ça sur la liste. Quand c'est comme ça, vous récupérez. Mm-hmm. Sur la liste, vous récupérez. S'il y a un étranger là qui est ivoirien, vous voyez, vous récupérez la personne à côté. Et la personne aussi peut mm-hmm. aller directement en présentiel. Vous demandez à l'administration directement. Vous voyez, quand ça va, c'est mieux. Voilà. J'ai même écrit à un ami ivoirien, j'ai essayé de lui expliquer, voilà. Il m'a dit vraiment qu'il n'avait pas de temps en fait. Il n'y a pas de temps. Oui, c'est ce qu'il m'avait dit. Là, c'est un autre sujet. C'est le problème qui est là. Donc, vous voyez que si vous demandez à une autre personne, la personne ne peut pas vous aider, alors que lui-même ivoirien ne peut pas vous aider. Bon, moi, je ne sais pas comment est-ce que... Voilà, maintenant j'ai une autre question encore. Oui. Actuellement, je suis en Master 1. Oui.
Bon, si Dieu fait grâce que la bourse a marché, oui. Je vais en master 2 directement ou je dois reprendre encore la licence? Si vous avez votre master 1, ne vous inquiétez pas, vous allez en master 2. Parce que j'ai essayé de me renseigner. Oui. Avec un membre de gens de l'administration de mon établissement, il me dit non, que si je change de ville, je dois obligatoirement, genre je dois forcément revenir. Non. Oui, j'ai déjà postulé à plusieurs personnes ici, ceux qui sont déjà ici en Russie et qui ont obtenu, d'accord, qui étaient en licence 2 ou bien licence 3, qui ont obtenu des bourses, qui sont allés actuellement à Perm. Ils sont actuellement à Perm pour continuer. Vous voyez. D'accord. C'est le système, d'accord, c'est le système russe, ça ne change pas. Si on voulait déchanger, d'accord, vraiment, plaignez-vous pour qu'on puisse laisser comme ça. D'accord. Oui. Maintenant, pardonnez, il y a une dernière question. Ouais. Voilà. J'aimerais aussi savoir si, par exemple, parce que bon, mon université refuse, la faculté de gestion cette année. Oui. Je ne sais pas si c'est possible de postuler en économie. Et lorsque tu as ta bourse, je ne sais pas genre, si on peut s'arranger avec l'université. Disons, moi je fais le management et c'est l'agent, ça dit genre... Vous savez, l'État russe met à la disposition des étudiants étrangers les places qui sont disponibles, c'est parce qu'il y a place disponible qu'on vous choisit. Donc, s'il n'y avait pas de place disponible, vous n'allez même pas même vous essayer de vous mettre là-bas. C'est parce qu'il y a une place libre qu'on vous prend. Donc on ne peut pas vous prendre une place pour les mettre dans une autre place. Vous voyez. D'accord. Donc même si vous allez à Moscou à l'éducation nationale, ça prend assez de temps. En un an, vraiment, ça prend assez de temps. Vous voyez. D'accord. Pas de problème. Vraiment, merci beaucoup, c'est gentil. Non, merci. Pas de problème. Sinon. Maintenant, pardonnez encore. Comment on fait pour nous joindre au cas où nous avons des questions? Je ne sais pas si vous avez. Si vous êtes dans le groupe des Ivoiriens, je ne sais pas. Nous aussi, on a une communauté ici à Samara. Donc. Et puis, j'ai mon numéro qui est là. Donc, vous pouvez prendre peut-être mon numéro. Vous pouvez donner maintenant. Oui, 8-987. Attendez, je vous. 907 19. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Pas de problème. Merci. Ouais. Merci à vous également, monsieur Mohamed. Merci beaucoup. Vous pouvez baisser la main si vous n'avez plus de questions. Donc, nous sommes toujours dans la séance aux questions. Je tiens à rappeler que le thème qui nous réunit ici ce soir, c'est la bourse de coopération, comment postuler. Donc, si vous avez des questions ou autre chose, vous pouvez soit appuyer sur les signes d'or au bas de votre écran, ou écrit aussi dans le chat. Merci. Ok, donc les gars, c'est un peu ça. Donc si vous n'avez pas de questions, voilà, je vais essayer de vous laisser. Voilà. Je vais vous laisser et puis je crois que on est tous ivoiriens. Donc si vous avez des questions, vous pouvez jamais les poser. Voilà, mais pardonnez, ne venez pas dire de vous postuler. Parce que quand on postule là, c'est jetant. Hein. Voilà, donc ne vous fatiguez pas. Voilà, donc on se tient et puis voilà, prenez soin de vous. Monsieur Agua, il y a une personne qui a levé sa main, répondant à sa question, je ne sais pas. Monsieur Ismaël. Ouais, on y va. Moi, je dis, bon, vu que genre, on n'a pas de questions actuellement, là, mais si on a des préoccupations, vu que tu as laissé ton numéro là, on peut te joindre pour te poser des. Oui, mais c'est ce qu'il disait. C'est vrai que je viens de vous montrer un peu comment c'est passé tout ça, mais nous-mêmes on suit des étudiants. Donc ceux qui sont vraiment intéressés, vous pouvez m'écrire inbox. Voilà, on va essayer de parler et puis je vais vous donner nos modalités pour qu'on puisse vous suivre. Ouais. Ah, pas de problème. Voilà, donc j'ai mon numéro, comme je l'ai dit, c'est le +7 987 904 0719. Voilà, donc vous pouvez me contacter en inbox et puis voilà, on va vous aider comme on peut.
pas mal grave. Ok les gars, donc... D'accord. Merci à vous, monsieur Agua. Merci en tout cas pour votre temps, pour toutes ces informations qui seront vraiment très utiles pour toutes ces personnes qui envisagent poursuivre les études en Fédération de Russie. Okay. Et pour m'avoir appelé, je vous remercie beaucoup pour avoir accepté son invitation. Voilà. Ouais, et à vous tous, c'est la fin de cette conférence et merci en tout cas de vous être connectés. On se dit à la prochaine. Oui, salut à vous. À la prochaine.